Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne La Science te parle pour la seconde interview. Aujourd'hui, nous allons interroger Barbu Sceptique et nous allons parler de journalisme scientifique, de philosophie des sciences, de reviewing aussi, etc. Barbu Sceptique est un journaliste qui travaille notamment pour le site Futura Science et il fait des lives qui sont très intéressants sur Facebook. Vous avez tous les liens en description et également vous trouverez en description tous les liens de toutes les chaînes dont nous avons parlé puisque nous avons parlé aussi d'un certain nombre de chaînes de vulgarisateurs. Voilà, j'espère que ce format vidéo vous plaira et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour des commentaires. Bonjour, cher ami, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à vous. Je dois avouer que je suis un peu stressé pour l'interview, mais ça va aller. Ah ben, on est deux alors, on est deux. Parce que je ne suis pas journaliste, alors je n'ai pas l'habitude d'interroger les gens, mais sauf... J'ai pas l'habitude de répondre aux questions, du coup. Alors, la façon dont je vous ai connu, en fait, et c'est comme ça aussi que je vous ai contacté, j'avais lu un article sur LinkedIn de vous qui date du 22 mai et j'ai trouvé très intéressant ce que vous dites. Alors, je vais préciser la phrase directement et je mettrai un lien de l'article aussi en barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir. Okay. Vous indiquez « La crise du Covid-19 a mis sur le devant de la scène un problème qui n'est pas récent. » Les médias généralistes ne possèdent pas les armes pour traiter des sujets scientifiques. Quand je parle d'armes, je pense bien sûr à nous, les journalistes scientifiques. Alors, je précise qu'on enregistre cette interview, on est le 4 juin, et hier, il y a eu l'interview du professeur Didier Raoult sur BFM TV, que j'ai pas fini de voir d'ailleurs, j'ai vu une partie. Moi, je l'ai même pas regardé. J'avoue que là, j'ai manqué de courage pour ce coup-là. Alors moi, j'ai pas fini de voir, mais pareil, il n'y avait pas de journaliste non plus scientifique. Il y avait, je crois, la responsable du pôle santé de BFM, mais quand j'ai regardé son profil iconique, je me suis dit peut-être qu'elle avait fait quelques études de sciences. Non, c'est une journaliste pure et dure. Donc vous indiquez que ceci manque, les journalistes scientifiques. Mmh. Alors, dans une brève interview datée du 28 mai, donc 6 jours après votre poste, le professeur Frogel, que je connaissais pas, mais du CHU de Lille et de l'Imperial College de Londres, fait le même constat, parlant du fameux article du Lancet. Depuis le 28 mai, bien sûr, il y a quelques petites nouveautés sur cet article. Uh-huh. Il indique que la science, ce n'est pas ça. Et la presse française a repris sans réfléchir cet article. Nous n'avons plus de journalistes scientifiques. C'est le constat qu'il fait, en tout cas, peut-être pas sur les plateaux télé et peut-être pas dans les grandes rédactions. Alors, ma première question, à dire vrai, est simple. Qu'est-ce qu'un journaliste scientifique pour vous? Et qu'est-ce que vous considérez comme étant un journaliste scientifique? Comment est-ce qu'on le devient? Quelles sont les études? Ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent le devenir. Et dans le monde actuel, sur quels médias est-ce qu'ils interviennent? Alors, c'est une question compliquée, en fait, pour moi, parce que, moi, je vous l'avoue tout de suite, je suis journaliste scientifique, en fait, je suis arrivé là un peu par hasard. C'est-à-dire que je n'ai pas de formation de journaliste scientifique attitré. Je suis journaliste scientifique parce que je travaille pour un journal de vulgarisation scientifique, mais je suis pas journaliste scientifique, voilà, avec un diplôme de journaliste scientifique, etc. J'ai plus été reconnu pour mon travail là, par exemple, lors de la crise du Covid, que en fait par un diplôme. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un journaliste scientifique? Du coup, ça va être un peu compliqué de répondre, mais pour moi, en tout cas, dans la conception que j'ai du journaliste scientifique, ça n'engage que moi, c'est quelqu'un qui informe sur la science. Dans tous les domaines ou dans un domaine donné, parce que j'ai tendance quand même à croire qu'un journaliste spécifique, spécialisé au sein d'une thématique, sera tout de même un meilleur journaliste, parce que pour bien transmettre un sujet scientifique, il faut pouvoir voir les limites, par exemple, de l'argumentation d'un chercheur, parce que savoir interviewer des chercheurs, savoir qui est compétent, c'est bien, mais si on ne connaît pas le sujet, alors... Je ne pense pas que la plupart des chercheurs soient des manipulateurs, mais la plupart des sujets, il faut quand même avoir du recul et pouvoir quand même mesurer les arguments d'un sujet. Donc je pense quand même qu'un journaliste qui est un peu spécialisé, ou au moins qui connaît la méthode scientifique dans sa globalité, même s'il y a différentes méthodes plus ou moins selon les domaines, mais la démarche est plus ou moins la même, sera meilleur. Mais du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'un journaliste scientifique doit transmettre une information à caractère scientifique, et donc au préalable, il doit s'être demandé, en tout cas, c'est ce que je pense, il doit au préalable s'être demandé qu'est-ce que c'est la science, parce que pour la transmettre, il faut bien savoir un peu ce que c'est, s'être intéressé à sa démarche et éventuellement à de l'épistémologie. C'est un plus, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a forgé,
C'est ce qui a forgé la façon dont je transmets la science. C'est que je suis... enfin, alors, j'ai encore des lacunes et j'ai encore beaucoup de livres à lire sur ces questions, mais c'est des questions épistémologiques qui m'ont aidé à devenir, enfin, à devenir le journaliste scientifique que je suis actuellement. Alors j'ai une question par rapport à, alors j'ai deux questions, disons, par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est pour, vous avez dit que vous travaillez pour un média scientifique, lequel? Ça vous fait faire Futura de la Science. publicité? Futura Science. Donc c'est surtout un site, je crois, hein. Ouais, c'est un média uniquement numérique qui fait de la vulgarisation scientifique sur diverses thématiques. Je crois qu'ils font sur de la science dure, sur la santé, sur l'environnement et sur d'autres sujets dont je ne me souviens plus, mais globalement, c'est ça, ouais. Et est-ce que vous savez quelle est la moyenne d'âge des gens qui regardent? Qui consulte Futura? Non, Oui. j'en ai aucune idée. D'accord. Parce que par exemple sur YouTube, on peut voir, vous savez, vous avez les graphiques où on voit, je pense que c'est Ah, par rapport au d'accord. compte Gmail, mais on voit Ok. la moyenne d'âge. Bah, sûrement que non, moi j'ai pas accès à ces graphiques-là parce que je suis pigiste en fait, je travaille pas dans la rédaction en interne. D'accord. Donc ça, c'était la première, donc Futura Science. Je mettrai le lien d'ailleurs de Futura Science en barre d'infos s'il y a des gens qui veulent aller dessus. Et vous avez dit, il faut qu'un scientifique sache ce qu'est la science. Est-ce que vous auriez une définition, même brève, à nous donner de la science? Non, j'en ai pas, je renvoie au livre, je l'ai là, je l'ai pas pris avec moi, mais le livre d'Alain. Je me trompe toujours sur les lettres. Je sais plus si c'est Chalmers ou Chalmers, bref, donc on me pardonnera. Mais c'est un bouquin qui est vieux, qui est assez vieux. Il date de 1987, si je me souviens bien. Et de mémoire, c'est un bouquin qui est quand même une super porte d'introduction à l'épistémologie du XXe siècle. Donc, D'accord. si on veut répondre à cette question, je vais pas me risquer à une réponse évasive et peu précise. Je conseille ce livre, franchement. D'accord. Alors là, vous avez répondu déjà à une question que je me posais quand on parle de journaliste scientifique, la spécialisation de journaliste. Et vous avez dit c'est peut-être important aussi Ouais. de mieux connaître un domaine pour l'interview des scientifiques, etc. Quel est vous déjà le vôtre de domaine plus spécialisé? Quel est le domaine de la science qui vous intéresse le plus? Alors, qui m'intéresse? Moi, de base, je suis quand même intéressé par plus ou moins tous les sujets. C'est-à-dire que personnellement, je m'intéresse autant à des sciences qu'on va appeler dures, comme la physique. Ou autre et même voilà ou à des comment dire non vraiment je m'intéresse à tous les sujets. Après ma spécialité elle découle en fait de mon cursus, c'est que moi à la base j'ai fait des études en D'accord. nutrition sportive et je me suis beaucoup renseigné sur en fait je suis entré dans la science par ce biais-là, vraiment par le domaine de la nutrition et donc du coup forcément je suis beaucoup plus j'ai beaucoup plus de corpus, j'ai beaucoup plus assimilé de corpus scientifique de données en nutrition et en santé et en sciences médicales que dans les autres domaines. Je serais pas du tout outillé pour interviewer enfin pour interviewer avec la méthode, je pourrais un chercheur en astrophysique par exemple, mais s'il veut me manipuler ou s'il veut me perdre dans des considérations techniques, il pourra totalement le faire. Alors que si j'interviewais Didier Raoult demain par exemple, je pourrais m'en sortir face à lui. C'est ce que je veux dire par là. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je suis biologiste aussi, donc c'est vrai que la biologie est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que pour vous, un journaliste scientifique doit avoir forcément un doctorat en sciences pour être peut-être plus pointu, ou une formation de journaliste classique, disons, peut être suffisante, avec la curiosité, bien sûr, sur la science? Ouais, c'est une bonne question. Alors, honnêtement, vu que je n'ai pas de doctorat, je pense pas, du coup, et que je pense être pas trop mauvais, en tout cas, des échos que j'ai de mes pairs et de diverses personnes, je pense pas être trop mauvais dans mon travail, en tout cas pour l'instant. Du coup, je pense pas qu'un doctorat soit forcément nécessaire pour faire du bon journalisme scientifique, mais vraiment, je le répète, je pense que la pierre angulaire, c'est d'avoir une démarche très, très, d'avoir de l'humilité, vraiment, de prendre du recul sur ses certitudes et sur le fonctionnement de la science et pas avoir peur aussi de revenir sur des erreurs, pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé ou de revenir en arrière. Et alors, moi, j'ai fait un choix. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus spécialisées dans un seul domaine et qui comment dire, amassent des données et un corpus pour être très, très compétent dans un domaine et pouvoir faire de très bons articles poussés. Moi, j'ai fait le choix. Alors je suis quand même un peu spécialisé, mais plutôt d'avoir une vision quand même d'ensemble sur la méthode et sur divers sujets pour pouvoir un petit peu faire des connexions un petit peu transdisciplinaires entre divers domaines. Mais ça reste quand même, enfin, je veux dire, je reste globalement quand même dans le domaine de la santé. Je m'évade jamais dans le domaine des sciences dures ou autres.
J'ai une question, c'est plus de la curiosité personnelle, mais peut-être que ça peut intéresser aussi les gens. Et je pose cette question en tant que chercheur, est-ce que c'est facile pour vous d'interviewer un chercheur? C'est-à-dire, est-ce qu'ils répondent facilement ou est-ce que vous avez plus de refus d'interview que de gens qui acceptent d'être interviewés? Alors, dans ma courte expérience, j'ai pas essuyé beaucoup de refus. Après, c'est vrai que ça dépend aussi le temps dont dispose le chercheur dans sa journée. S'il a plus de notoriété ou moins de notoriété, c'est clair que ça va pas être la même chose. Par exemple, j'ai essayé pour le live que j'ai fait sur Futura avec donc trois intervenants. J'avais à la base j'avais invité Étienne Klein et Gérald Bronner, et forcément en fait ils étaient débordés et ils n'ont pas pu donner suite à ma proposition. Mais non, je trouve, enfin, franchement, je j'ai pas de mal à interviewer des chercheurs. Après, toujours pareil, dans mon domaine, pas de compétences, mais où j'ai quand même quelques signaux d'alarme. Si jamais le chercheur me mène en bateau, je vais m'en rendre compte. Comme je disais, enfin, si je l'interview un chercheur en astrophysique, tout de suite, il pourra me perdre, sans problème. Donc les chercheurs, vous dites, sont quand même suffisamment accessibles pour la communication envers le public. Il me semble, en tout cas, dans ma courte expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Alors justement, j'avais préparé quelques questions sur la communication. Et la première des questions que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport à ce qui se passe sur Internet. C'est-à-dire que sur Internet, il y a des vidéastes qui vont parler de science, etc., qui vont essayer, comme vous faites là pour Futura, d'interviewer des chercheurs, etc., et d'autres qui vont partir dans des théories du complot absolument farfelues, et même des chercheurs qui vont se laisser glisser vers cette théorie du complot. On reviendra tout à l'heure sur le cas du professeur Montagnier. Alors, ma question par rapport à cette communication-là, c'est pourquoi est-ce que, selon vous, toujours, est-ce que les vidéos et blogs complotistes sont plus vus que des vidéos et des blogs, disons, plus sérieux sur la science? Et est-ce que vous trouvez que le public est suffisamment curieux de la science pour s'intéresser aussi à tous les sujets qu'un site comme Futura, par exemple, peut proposer? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, pour la curiosité du public, j'ai pas trop d'idées du pourcentage de curiosité en fait. Si je faisais un pari, soyons fous, si je faisais un pari avec mon heuristique et mes a priori, je dirais qu'elle est faible. Malheureusement, je dirais qu'elle est de l'ordre de, je sais pas, 25% de la population, peut-être une personne sur quatre. Mais c'est un pari. J'ai aucune donnée. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à l'arrache, quoi. Après, pour la question sur les raisons pourquoi les vidéos, les blogs qui discutent de sciences sont moins vus que les vidéos qu'on nomme complotistes, j'ai pas de réponse, mais j'ai quand même lu quelques ouvrages, notamment ceux de Gérald Bronner, un sociologue enfin, qui s'intéresse à la question des croyances collectives. Et je dirais quand même, avec mon heuristique, donc c'est imparfait, il faudrait qu'on me corrige, que il y a un besoin quand même viscéral de réduire l'incertitude, de conserver une certaine stabilité mentale, de donner du sens. C'est des causes quand même que je trouve assez élégantes de ce phénomène-là. Du coup, les thèses complotistes sont quand même fascinantes. C'est-à-dire que sans avoir fait trop de recherches, on trouve un faisceau de preuves, des fois qui ne sont pas des preuves, hein, qui sont juste des explications très, très étranges, mais qui donnent du sens à des événements ou à des catastrophes ou à je ne sais quoi d'autre. Et forcément, le doute, c'est pas très sexy en fait. Faire comme Descartes et se dire, bon allez, maintenant je remets tout en question et je me fous dans ma chambre comme dans ces méditations métaphysiques, enfin, c'est pas sexy, ça fait peur quoi. Donc, c'est être dans l'instabilité de douter et c'est effrayant. Donc, il faut aussi savoir, enfin, en tout cas, je sais pas si beaucoup partagent mon sentiment, c'est parfois très difficile d'incarner en fait ce doute dans notre profession, parce qu'en fait, qu'on soit scientifique ou qu'on soit journaliste scientifique, du coup, on incarne quand même une certaine posture sceptique ou en tout cas une sorte de mouvance intellectuelle permanente. On est toujours prêt, avec de nouvelles données ou de nouvelles théories ou quoi que ce soit, à changer notre logiciel de pensée. Et c'est compliqué en fait de pas se Alors, il y a des degrés de certitude. Je suis pas en train de tomber dans un relativisme complet en mode je suis jamais sûr de rien. Tel Piron, par exemple, un sceptique grec qui ne croyait en rien. Enfin, il y a des degrés de certitude.
Bien sûr. Mais on peut, comme voilà, le truc c'est que ces degrés de certitude, c'est l'idée des curseurs, souvent vulgarisée par hygiène mentale ou par les. Alors je dis pas leur, je dis pas leur nom, mais je suppose Par Sam, que par exemple, il a fait voilà. une vidéo récemment justement là-dessus avec les degrés d'incertitude, les degrés de preuve, etc. C'est ça, donc du coup, en fait, ils sont à même de bouger, donc forcément, on n'est pas dans une fixité cognitive, donc forcément, c'est quelque chose qui est effrayant, et on est aussi biaisé, on lutte tous les jours contre nos biais, mais en fait, c'est ce qui est nécessaire, mais je pense que en fait, c'est ça qui est difficile, et c'est pour ça que c'est une des raisons, en tout cas, qu'on me corrige, mais qui peut-être pousse les gens à consulter plus les vidéos complotistes, c'est parce que on a certains désirs, certaines envies, et on veut qu'elles collent avec la réalité. Sauf que on oublie que le réel se fout en fait de nos envies ou de nos désirs. Si on veut lui faire face au mieux et réduire l'incertitude au mieux pour l'appréhender au mieux, il faut l'étudier et il faut éviter de projeter tout un tas de désirs subjectifs sur lui. Tout à l'heure, on parlait de la définition de la science, et là, vous parlez de doute et de l'instabilité que peut provoquer le doute chez lui-même. Le doute, est-ce que c'est pas l'ADN finalement de la science? Est-ce que c'est pas ce qui le fait avancer avec des Ah oui. questionnements permanents, etc., et qui fait que finalement on a plus de connaissances et finalement moins de doutes aussi sur une certaine réalité? Alors oui, c'est des questions techniques. Je ne sais pas si on a plus de connaissances et du coup moins de doutes parce que alors c'est des phrases un petit peu bateau et sur lesquelles il faudrait peut-être réfléchir un peu plus. Mais c'est cette idée aussi des fois que bah, quand une nouvelle connaissance arrive, forcément, elle engendre beaucoup plus de, enfin, elle engendre pas mal de questions aussi. Donc est-ce que on se retrouve avec plus de doutes ou moins de doutes? Ça, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, ce qui est certain, en tout cas moi, c'est la démarche scientifique que je défends et j'ose espérer que c'est la démarche scientifique qui est défendue par les scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire que la science, c'est le ou les sciences, ça c'est une question que j'ai pas encore tranchée personnellement, c'est le meilleur outil pour appréhender le réel, mais c'est un outil, sa force est dans le fait qu'il assume ses failles. La science assume ses failles, assume qu'elle avance lentement par des essais, des erreurs, et c'est justement ce qui fait que elle se renouvelle et quand une méthode est critiquée mais de façon rigoureuse, parce qu'on peut pas critiquer la méthode en mode elle est nulle votre méthode, on va changer, c'est mieux. Non, on critique de façon rigoureuse une méthode et derrière on explique pourquoi. Et si la méthode qu'on propose est rationnellement, alors toujours pareil par rapport à des considérations épistémiques, bien sûr, parce que la rationalité ne pas être épistémique, donc relatif à la connaissance, elle peut être d'autres. Elle peut être comment dire, de diverses, oh, j'ai pas le mot, mais bref, je crois qu'on m'a compris. Oui. Et du coup, je me perds souvent dans mes pensées quand je commence à divaguer comme ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est terrible. Alors je vais juste reprendre le fil Ouais. et comme ça on va pouvoir avancer parce que vous avez parlé des méthodes et je trouve ça extrêmement intéressant. Et par rapport donc on était sur la communication scientifique. On est parti sur le fait que les vidéos scientifiques ou les blogs sont peut-être un peu moins lus que les thèses complotistes, etc. Et là en fait on est dans une séquence et on va y arriver à une séquence Covid, c'est-à-dire où il y a beaucoup de choses qui se sont faites, notamment on a beaucoup discuté de méthodes par le fait Ouais. que par exemple le professeur Raoult a expliqué que lui, il fallait changer la méthode, etc. En médecine, j'entends bien sûr en médecine. La question que j'ai par rapport à ça, et ça va rejoindre le fil que vous aviez tout à l'heure, à qui appartient le fait de devoir changer la méthode? Est-ce que le public peut intervenir sur la réflexion de changement de méthode en science, ou est-ce que seuls les scientifiques doivent se concerter pour pouvoir changer telle ou telle méthode, par exemple une méthode qui serait une investigation médicale sur un nouveau médicament? Alors, c'est des questions qui sont complexes et auxquelles ma réflexion n'est pas encore aboutie, on va dire. Mais sur la question des méthodes, alors qui doit changer les méthodes? Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur, dont c'est le travail de réfléchir au design des études. J'ai vraiment pas du tout pas assez de recul sur ces questions et sur le travail de ces personnes. J'en connais vraiment très très peu. Mais je suppose qu'il y a des gens dont c'est le travail, ou même, j'ai envie de dire, peut-être les personnes qui font de l'épistémologie au niveau universitaire, qui s'interrogent sur les théories de la connaissance et qui parfois peuvent se dire, bah, pour avoir une connaissance plus fiable, peut-être
peut-être. Ouais, c'est des questions compliquées. Mais pour le public, par contre, alors là, je vais me fier, pareil, à des arguments, alors pas d'autorité, mais de personnes qui, à mon sens, sont plutôt spécialistes. Le public pourrait intervenir dans la réflexion, ça me semble pas idiot du tout, parce que déjà, par rapport au pouvoir en fait que peut avoir la foule sur les idées, je renvoie là à la chaîne de Mehdi Moussaïd, Fouloscopie. D'accord. Il parle de ces sujets-là très bien. Et en fait, j'ai une intuition, je ne sais pas si elle est vérifiée, mais que le néophyte peut avoir des idées qui. Alors bien sûr, il faut qu'il les formule, il faut qu'il apprenne comment les formuler et comment les transmettre s'il a des idées, mais il n'est pas enfermé dans un cadre de pensée ou avec des hypothèses préférées ou des, dire quand on travaille pendant 20 ans sur une protéine ou sur un traitement ou sur je ne sais quoi, forcément il y a des biais qui s'installent. Alors et même si la démarche du scientifique c'est de lutter toujours contre ces biais et de se dire voilà, je me laisse pas cantonner ou je me laisse pas enfermer dans ma préférence envers tel traitement ou telle protéine ou je ne sais ou que sais-je encore, je pense, donc du coup ça reste à confirmer, que l'avis du néophyte peut être utile. Je dis pas qu'il est je dis pas qu'il est nécessaire ou qu'il sera parfait, mais il peut être utile. Il peut être utile pour dire ah peut-être que là t'es trop renfermé sur cette vision-là et peut-être que là ça peut être pas mal. Donc, au regard extérieur que le scientifique, le chercheur devrait prendre en compte finalement. Oui, voilà, prendre en compte. Je pense que oui, il y a un truc à faire là-dessus. Toujours pareil avec mes limites, parce que j'ai pas toutes les réponses là sur ce sujet. Je suis extrêmement incompétent. Mais oui, effectivement, je pense que vraiment qu'il y a une force du néophyte qui est pas assez exploitée. Et est-ce que, alors là, je me pose cette question parce que c'est un peu une idée aussi qu'il y a dans l'idée générale de ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire d'ouvrir la science à tout le monde. Est-ce que dans l'avis du néophyte, c'est-à-dire le fait qu'il puisse donner son avis sur telle ou telle méthodologie, est-ce que le journaliste scientifique n'a pas ici aussi un rôle à jouer de médiateur presque entre le chercheur et le public et finalement d'arriver à canaliser aussi les attentes du public et les réflexions du public pour pouvoir peut-être mieux les transmettre aussi aux chercheurs et vice-versa, vous voyez, une sorte de balance. C'est des questions que je me suis souvent posées récemment. C'est des questions complexes et je vais pas donner de réponse parce que clairement j'en ai pas. Mais oui, moi c'est dans mes idées et j'ai des projets sur ça. Mais c'est très complexe à mettre en place de créer des plateformes un petit peu voilà propices à la discussion avec une transparence au niveau des arguments, avec qu'on puisse voilà quelqu'un qui est néophyte par exemple, mais qui je sais pas moi. Se donne à fond pour comprendre ce qui voilà quelqu'un de curieux qui comprend la méthode et qui a envie de et qui d'un coup il trouve une incohérence et il a envie de la partager, ben, s'il n'a pas les bons accès, s'il n'a pas les bonnes connaissances, si je veux dire bien sûr que on aurait tous à gagner, je pense, que ce soit en rapidité ou même en qualité, parce que actuellement j'ai fait un article récemment sur le peer review et sur les préprints. Il y a plein de problèmes qui se posent par rapport au peer reviewing, qui fait perdre beaucoup de temps. Et effectivement, après, les préprints et l'open science ont des problèmes qu'il faut corriger, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Je pense que ça sera vraiment plus vertueux d'aller vers plus de transparence des arguments. Le fait que le peer reviewing, par exemple, ne soit pas lisible à la fin, qu'on n'ait pas le tracé des arguments de comment on est arrivé Voilà, à. oui. Voilà, à transformer une publication, c'est gênant parce que ben, peut-être que. Comment dire Je précise juste, je fais une Ouais. petite parenthèse là-dessus. Jusqu'à présent, les auteurs du reviewing, c'est-à-dire que je rappelle ce qu'est le reviewing, vous Ouais, envoyez une pardon. publication à un publisher, un journal, lui va choisir trois ou quatre personnes. Les bonnes publications Nature Science, c'est plutôt quatre, en moyenne, mais en moyenne, c'est trois. Va choisir trois, quatre spécialistes du sujet pour lire votre article et vérifier que tout soit conforme à la méthode, qu'il n'y ait pas des choses qui aient pu être transformées, etc. Jusqu'à présent, le nom des reviewers n'apparaissait pas sur les revues. Aujourd'hui, il y a une pression, et ça, c'est justement aussi fait de l'open access, il y a une pression pour que le nom des reviewers apparaisse déjà sur le côté, vous savez, vous avez comme des notes de bas de Ouais. page où vous avez, quand ça a été publié, envoyé, etc., où le nom des reviewers puisse apparaître là. Donc, il n'y a pas, bien sûr, toute l'étape de reviewing, mais déjà, c'est un premier pas où on a déjà accès au nom des gens qui ont reviewé le papier.
Et donc, on peut voir aussi les rapports qu'ils peuvent avoir avec l'auteur principal du papier, c'est-à-dire le laboratoire qui l'a conçu, est-ce qu'il y a des liens d'intérêt ou pas, est-ce qu'ils se connaissent, etc. Mais je vous laisse finir sur le reviewing parce que je trouve la discussion très intéressante. Donc, vous avez pointé le fait que sur le reviewing, il y a des problèmes qu'on ne voit pas exactement la méthodologie du reviewing, c'est-à-dire on ne voit pas les étapes. Quels sont les autres problèmes que vous avez vus sur le reviewing? Alors, pour en avoir discuté avec quelques scientifiques, je vois pareil, parce que là, je me fie à des propos qui ne sont et des connaissances qui ne sont pas les miennes. Alors le problème du temps, clairement, quand on voit que des fois des reviewings prennent des mois ou des mois pour être reviewé, un article qui prend des mois pour être reviewé, c'est pas que c'est pas bien, c'est que le truc, ça on pourrait gagner. Voilà, c'est toujours très théorique là, hein, on n'est vraiment pas dans. Je propose pas de solution, malheureusement. Meet Davor, Chen, and Sarah. See what happens when they hear the words peer review. Well, that was before they joined Frontiers. At Frontiers, peer review and publication decisions are put in the hands of active researchers. Our editorial boards are comprised of the world's top scientists and physicians. Frontiers peer review starts with our editors scrutinizing the scientific soundness of the manuscripts. Our unique platform helps identify the most suitable reviewers. Reviewers instantly receive the invitation and are prompted to respond. Frontiers reviewers provide fair and rigorous reports by following our online review questionnaires. Our online platform keeps everyone up to date on the progress of the review. This ensures a fast and efficient process. Frontiers has revolutionized peer review by making it collaborative, fair, and constructive. Our interactive review forum opens a direct dialogue among authors, reviewers, and editors. The real-time interactions accelerate consensus. Mais un serveur open science bien fait, effectivement, et pourrait apporter beaucoup plus de transparence, donc faire gagner du temps, et surtout pourrait apporter beaucoup plus de transdisciplinarité parce que, et moins de subjectivité, parce que l'éditeur qui reçoit le papier, il va choisir les gens qui, dans son heuristique, sont compétents dans ce domaine-là. Par rapport à des métriques ou par rapport à que sais-je dans son Par logiciel de rapport à dans, des métriques, oui. voilà souvent par rapport à des métriques ou alors autre chose dans son logiciel de pensée que je ne soupçonne pas, mais en tout cas il va y avoir une démarche biaisée. Et là, la force de l'open science, c'est de que toute la communauté scientifique y ait accès, d'apporter toute de la transdisciplinarité. On a besoin de transdisciplinarité. Les travaux commencent à enfin dire on arrive à une époque où le complexe commence à prendre une part éminemment importante et où, comment dire, je vais pas faire l'apologie des démarches parce que c'est un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que on dit souvent que la science est très réductionniste, qu'elle réduit pour mieux comprendre, et du coup il y a plein de gourous ou autres charlatans qui utilisent le mot holistique. Il faut vraiment arrêter, en tout cas au niveau sémantique, d'associer le mot holistique à ces charlatans. Ils l'utilisent, je sais pas pourquoi ils l'utilisent, c'est vraiment c'est énervant parce qu'en fait moi, en tout cas, dans ma compréhension du mot holistique, qui est le complexe, la globalité, c'est en fait ce vers quoi doit tendre la démarche scientifique. Par exemple, voilà, toujours appréhender la complexité du réel. Et par exemple, les outils comme la métagénomique ou les trucs qui prennent en compte beaucoup plus de facteurs et de complexité. Voilà, il faut plus de complexité, mais il faut pas le faire à la façon des charlatans qui disent nous on prend en compte l'individu ou le complexe parce qu'on le ressent, parce que voilà, ça c'est pas de la science, on est dans de la comment dire, dans du dogme. Mais plus de complexité, je pense que c'est et donc de transdisciplinarité, c'est nécessaire pour c'est en tout cas le défi de la science du 21e siècle. Ça, je pense qu'il y a pas de doute là-dessus.
Est-ce que là-dedans, je me permets de poser la question, parce que j'avais aussi une discussion aujourd'hui là-dessus, est-ce que là-dedans, vous critiquez pas non plus l'hyperspécialisation de la recherche et des scientifiques? C'est-à-dire que, bon, moi je travaille en endocrinologie, par exemple, je suis spécialiste d'un tissu qui sont les surrénales, je travaille toute la journée là-dessus. Et je travaille toute la journée sur un système particulier là-dedans, et sur un système particulier là-dedans, je travaille toute la journée sur un récepteur particulier. Donc on est vraiment hyper spécialisé sur une partie du problème. Vous vous dites, il faut prendre l'ensemble de la complexité en vue, c'est-à-dire vous avez parlé de diverses fonctionnalités, d'assemblage aussi des façons de voir et de procéder. Et est-ce que vous ne trouvez pas, ça c'est une question que je vous pose, que la science, toute la fin du XXe siècle, en fait, c'est hyper spécialisé? Et qu'on a perdu un peu ça. Alors, je ne sais pas si on a perdu de ça. Je pense que c'est un problème, encore une fois, très complexe et qu'il n'y a pas de solution, enfin, qu'il n'y a pas d'explication manichéenne sur le sujet. Je pense qu'on a besoin de transdisciplinarité, ça c'est sûr. Mais si on regarde quand même la totalité des applications technologiques ou même des applications médicales qui sont les nôtres actuellement, on a besoin de, enfin, vraiment, c'est vraiment pas manichéen. On a besoin de connaissances très techniques. On a besoin de personnes qui, comme vous, connaissent un système, un récepteur ou que sais-je, de façon très très précise. Parce que, comment dire? C'est des questions difficiles. C'est des Je questions suis très désolé. difficiles. Ah ouais, y a pas de souci. Non, mais c'est intéressant. Ça stimule la réflexion. Mais c'est des questions très compliquées. C'est-à-dire que c'est des inter. Après voilà, c'est des interactions entre personnes qui connaissent très bien un système qui peuvent pousser à étudier plus de complexité. Je sais pas comment ce serait possible, mais effectivement, entre des personnes, par exemple, des spécialistes médicaux qui connaissent très bien, voilà, tels organes ou tels organes, voilà, l'hyperspécialité de la médecine, c'est super utile. Je veux dire, les mecs sont hyper spécial. Après, voilà. Mais j'ai une question pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le lien avec le public. Vous avez dit souvent, c'est vrai, les chercheurs ont la tête dans le guidon, on est focalisé sur un problème, sur une thématique, et le public de son œil extérieur pour dire attention, là, vous peut-être vous devriez sortir de ça, vous devriez faire plutôt comme ça, etc. Est-ce que justement cette hyper spécialisation de la médecine et ou de la médecine ou de la recherche, enfin, pour en général, est-ce que le public aussi ne peut pas des fois sortir le chercheur justement de cette spécialité-là et lui permettre de voir un autre point de vue et une autre façon de résoudre le problème, une autre façon de réfléchir au problème? Et est-ce que c'est pas là aussi où on a besoin du public? Est-ce Oui, que je ça pense serait que. pas une solution finalement de faire émerger un lien direct avec le public pour l'émergence d'idées nouvelles et de façon de voir nouvelles? Et clairement, oui, je pense que ça peut être à tester après avoir les outils que ça donne, du coup, parce que bon, toujours pareil, hein, on a une belle solution, etc. Mais il faut l'évaluer, il faut la tester pour voir si elle répond bien à nos attentes. Mais oui, ça pourrait être une solution. Surtout que. Et aussi, peut-être, ça, je m'étais déjà posé la question, mais après, toujours pareil, à voir. Comment on peut l'appliquer en pratique, peut-être essayer d'apporter une sorte de corpus, peut-être de psychologie de la recherche à des chercheurs pour justement qu'ils soient plus aptes à, même si je pense qu'on le fait déjà quand même, qu'ils soient plus. Ouais, peut-être pas du coup, qu'ils soient plus aptes à justement à avoir cette prise de recul parce que. Prenons l'exemple voilà d'actualité parce que tout le monde y pense et que moi j'ai beaucoup travaillé dessus là l'exemple de Didier Raoult qui est focalisé sur son médicament. Alors il y a sûrement d'autres explications. Didier Raoult, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, faut pas se leurrer là-dessus. Il utilise les métriques et les failles du système à son avantage, il est très très fort. Je veux dire, à mon avis, qui n'engage que moi, il a un objectif en tête et il se fout bien du reste quoi. Donc après, du coup, la question déjà portée sur. La question portait sur le lien du public et de la science et de la façon dont le public pouvait sortir aussi Oui, mais du la coup, science au point de vue. y a quand même des super inventions qui sont. Dire, par exemple, le smartphone. Le smartphone, alors ça, pareil, c'est des paroles répétées, donc il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. Je pense que c'est Étienne Klein qui disait ça dans un podcast que j'ai écouté. C'est lassant. Ou peut-être que je me trompe, il faudrait vérifier. C'est l'assemblage de plein de. Ah non, c'est pas Étienne Klein qui dit ça du tout. Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais par exemple, le smartphone, c'est l'assemblage
de plein de connaissances réductionnistes, donc réduites d'un système. Donc c'est hyper utile les connaissances réductionnistes. Mais dans le souci d'aller vers plus de compréhension du monde réel tel qu'il est, il faut essayer de se diriger vers. Après, effectivement, je ne sais pas si on y arrivera un jour, parce que c'est quand même très complexe d'appréhender la réalité et tous les facteurs qui peuvent agir sur diverses causes et induire diverses conséquences. Enfin, c'est très compliqué, mais réduire l'incertitude, ça demande de prendre en compte toujours plus de facteurs et donc d'aller vers plus de complexité. Après, comment le faire? J'avoue que c'est des questions très compliquées, même que ce soit dans le monde de la recherche médicale, l'intervention du public. Ouais, c'est très compliqué comme question. Je précise qu'on n'a pas vraiment, travaillé l'interview. C'est pour ça que des fois Oui. les questions viennent. Parce que au départ, j'avais dit les questions me viendront au fur et à mesure. Donc, je dis ça pour le public, hein, pour les gens qui vont écouter. Du fait que vous avez parlé du smartphone, je trouve que c'est très intéressant, en fait, parce que ça rejoint un peu la problématique qu'on a aussi ce soir-là. À l'université de Lausanne, ils ont fait un essai il y a, je dirais, un an ou deux, je me souviens plus, mais c'est 2018-2019. Et en fait, ils ont demandé aux gens, bon, il y a pas mal de forêts autour de Lausanne, et donc beaucoup d'insectes et de fourmis. Ils ont dit, voilà, on a un projet, c'est d'identifier toutes les fourmis qu'il y a dans le canton. C'est le canton de Vaud, Université de Lausanne. Et donc, les gens devaient prendre en photo les fourmis à leur smartphone, l'envoyer sur une plateforme dédiée de l'université, puis l'université après allait trier toutes ces photos, etc. Et les gens ont beaucoup joué le jeu, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont impliqués, disons, dans ce projet-là. Se sont dit, c'est intéressant, comme ça aussi, on va apprendre aux enfants. Il y a beaucoup de gens qui disaient à la télé, on va apprendre aux enfants aussi à regarder un peu les insectes, à voir les différents habitats, comment ça joue, etc. Et donc, le public aussi s'intéresse vraiment à participer à cette ébullition des connaissances scientifiques. Et alors là, c'est un exemple bien sûr très précis sur des espèces de fourmis, mais je pense que ça peut être fait aussi sur tout un tas d'autres sujets, même Ouais, un peu ben plus. c'est déjà fait sur des. Ben je renvoie encore à la chaîne de Mehdi Moussaïd et Fulloscopie. C'est déjà fait sur, par exemple, pour retrouver. Alors c'est pas de la science là, mais pour retrouver des gens perdus en mer ou quoi que ce soit. Il y a des serveurs. Alors je savais plus expliquer exactement. C'est beaucoup mieux dit dans les vidéos de Mehdi. Mais il y a des serveurs ou des caméras ou je ne sais quoi qui peuvent être scrutés par les gens et permettre de retrouver des gens plus rapidement. Ou D'accord. pour certaines protéines, pour essayer de. Alors, si je me souviens bien, mais je vais te dire des bêtises, donc il faut vraiment aller regarder la chaîne de Mehdi Moussaïd. Comment dire? Je sais plus exactement ce que ça. Quel est l'objectif, mais je crois que c'est trouver des structures de protéines particulières pour développer des vaccins ou je ne sais quoi, et les gens, en fait, s'amusent sur un logiciel et essayent des combinaisons entre diverses. J'en avais entendu parler de Voilà. ça. Voilà, ben en fait, voilà, ça reflète bien le fait que oui, il y a vraiment une exploitation à avoir des gens qui s'intéressent à la science et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, clairement. Oui, j'en avais entendu parler de ça. Il fallait trouver de nouvelles façons de docker. En fait, le docking, c'est la façon dont les protéines s'assemblent et dont on va pouvoir trouver Ouais, c'est une ça, c'est ça. cible thérapeutique sur une protéine. Alors, il y a des logiciels comme Pimote, comme Pimol, etc. Bon, ça, c'est, je parle des logiciels de base parce que je suis pas bioinformaticien, ce que moi j'utilise, mais c'est, ouais, j'avais entendu parler que le public pouvait, et c'est une chose intéressante aussi, parce que c'est vrai qu'on voit les protéines en structure tridimensionnelle avec, les différentes formes, on peut changer la distance atomique, etc. Et c'est des choses aussi que c'est, je trouve que c'est très ludique, par exemple, pour des enfants et pour leur apprendre comment le vivant est structuré, en fait. Ça, c'est des choses aussi qui sont. Donc, on a parlé du public et je voudrais qu'on revienne, puisque le but aussi de ce soir, c'est de parler pas mal de communication scientifique et j'ai préparé une petite question sur la séquence Covid, disons sur ce qu'on vient de vivre, et on va aussi se demander quelle est la place du journalisme scientifique. Alors, l'une des séquences, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec le professeur Montagneux, qui moi m'a le plus choqué, chagriné, j'en sais rien, enfin en tout cas je suis resté un peu interdit sur ma chaise là, c'est quand il est arrivé sur CNews et qu'il a dit que le SARS-CoV-2 était fait de séquences de VIH et qu'une étude indienne l'avait prouvé. Étude indienne, enfin j'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne, a été supprimée par les auteurs eux-mêmes. Et sur le plateau, il n'y avait que des journalistes.
essentiellement politiques. Enfin, que ce soit Rioufol ou Geoffrin, ce sont des journalistes qui sont essentiellement des journalistes politiques, qui connaissent la politique, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées en sciences. Est-ce que là, il ne manquait pas un journaliste scientifique? Et la question que j'ai, surtout parce que je voudrais qu'on rentre aussi dans la technique un peu journaliste scientifique, comment ce genre d'émission se prépare pour un journaliste scientifique? On vous dit, bon, vous allez voir le professeur Luc Montagnier, etc. Comment vous pouvez vous préparer, disons, à ce qui peut être dit, à répondre, etc. Alors, bon, clairement, il manquait un journaliste scientifique sur ce plateau, ça c'était clair et net, comme dans beaucoup d'autres séquences sur ces plateaux de télé ces derniers temps, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'il y ait toujours un journaliste scientifique sur ces plateaux quand on parle de ce genre de sujet. Parce que bon, quand on regarde un petit peu ces scènes d'info en continu, on est vraiment un petit peu, alors pas tout le temps, mais des fois on a l'impression d'être dans le relativisme de la science quand on voit qu'ils appellent Monsieur Estrosi ou je ne sais quel autre homme politique pour le dire alors ce traitement-là, ouais, il a marché sur moi, c'est super. Bref, c'est voilà, un journaliste scientifique rappellerait tout de suite que on se calme, c'est pas du tout une preuve, il y a des facteurs de confusion, ceci, cela, enfin voilà. Donc je précise aussi que j'ai jamais, je vais tenter de donner une explication, mais j'ai et des conseils, mais j'ai moi-même jamais eu à assumer une telle confrontation avec quelqu'un comme Luc Montagnier, par exemple, qui est un grand, oui, qui est un grand scientifique, en tout cas qui l'a été. Donc déjà, il y a deux, pour préparer une entrevue comme ça, il me semble qu'il y a deux points fondamentaux et qui sont difficiles peut-être à respecter dans le climat actuel des médias, c'est du temps et de l'info. Il faut avoir du temps pour préparer une entrevue comme ça, et il faut avoir peut-être des informations sur comment l'entrevue va être faite, sur quel sujet, etc. Moi, je me souviens, enfin, en gros, je fais le constat du problème du temps par rapport à mon expérience personnelle, parce que quand je suis passé à CNews, c'était quand? J'y suis passé 5 minutes, ils m'ont appelé en facecam, je crois que c'était fin mars, pour m'interviewer sur mon article sur la chloroquine, le tout premier. Ils m'ont contacté le soir, et puis la veille au soir, et le matin même, sans me dire, en fait, ils m'ont dit on va parler de votre article. C'est tout, quoi. Ils m'ont pas dit on va parler de tel point précis, et ça, c'est un problème. Parce que bon, moi, je suis passé 5 minutes à l'antenne, et c'était des questions un peu générales, donc c'était pas problématique. Mais sur une entrevue avec quelqu'un comme ça, si on n'est pas, si on sait pas précisément de quoi on va parler, forcément, on peut être limité par des données qui nous manquent, par pas savoir répondre parce qu'on a oublié un petit truc, parce que voilà, on est humain, hein, on est des Bien journalistes sûr. scientifiques, mais on est des humains, donc clairement, on peut oublier des trucs. Donc, il faut du temps en journaliste scientifique pour qu'il puisse lire tout ce qui est sorti ou en tout cas la majorité des données qui sont sorties sur un sujet donné. Et lire la littérature scientifique, vous le savez sûrement mieux que moi, ça prend beaucoup de temps et c'est pas de tout repos. Et puis, alors ça, ce serait dans un monde idéal, un entretien au préalable, ce serait appréciable, très appréciable en fait. Mais comme je le disais, les chaînes standards, j'ai l'impression qu'elles font pas beaucoup ce genre d'entretien préalable. Elles préfèrent l'instantanéité, mais pas dans le processus dans lequel on est là actuellement, un peu pour réfléchir ensemble. Non, l'instantanéité du buzz ou de la phrase qui est un peu dérapée ou c'est plus ça, j'ai l'impression qu'il préfère qu'autre chose. Et un journaliste scientifique qui fait face à Luc Montagnier, en fait, voilà, c'est pour ça que je suis convaincu, et donc c'est une conviction, il faudrait que je cherche plus de faits là-dessus pour la confirmer ou pour l'infirmer, en fait, hein, parce que voilà, il ne faut pas rester cantonné dans sa vision, mais que je parle beaucoup d'épistémologie et de se poser une question quand on est journaliste scientifique de qu'est-ce que la science? C'est parce que si on sait faire preuve d'esprit scientifique, on peut quand même s'en sortir. Si on a des bases en méthode, on peut pousser Luc Montagnier dans ses retranchements, lui dire, ah bon, l'étude indienne, c'est intéressant, vous pouvez me donner, voilà, ça, avec les outils qu'on a actuellement, ça pourrait aller très vite, vous pouvez me donner le lien, là, vous vous en parlez, donc vous l'avez, tac, je la regarde en 2 minutes, je vois qu'elle a été rétractée par les auteurs, et là, paf, je peux lui dire tout de suite, non mais, vous rigolez, vous dites n'importe quoi. Et donc, le pousser dans ses retranchements pour chaque affirmation donnée, on peut... Presque un peu ce qu'a essayé de faire Laurent Geoffrin à la fin. Oui, c'est Quand ça, on le c'est voit ça. avec son téléphone et qu'il regarde et qu'il dit Ah, mais vous êtes un peu. Comment il a dit ça? Vous êtes un peu contesté par vos pairs, etc. Oui, Mais il c'est attaquait ça. plus la personne que l'étude. Peut-être qu'il n'a pas trouvé l'étude, mais. C'est-à-dire qu'on voyait aussi, parce que vous avez dit qu'il faudrait un entretien préalable, etc. On voyait que même pour les journalistes sur le plateau, ça n'était pas préparé au final. Parce que c'est vite, vite une catastrophe où on regarde sur le téléphone, il n'y a pas quelque chose de préparé, de bien cadré.
Est-ce que c'est pas une erreur? Alors bien sûr, on sait que vous l'avez dit, c'est pour le buzz, le clash, etc. Mais est-ce que c'est pas une erreur finalement sur des sujets aussi importants? Parce que là, il s'agissait du début de la pandémie, du début du confinement et de la santé des gens au final. Est-ce que c'est pas important quand même de préparer ce genre d'émission et de prendre le temps de le faire? Ah oui, non, mais idéalement, c'est clair, moi je suis partisan, mais après le problème c'est que il faudrait que le logiciel télé s'adapte, et ça c'est je sais pas si c'est possible. Mais effectivement, c'est ce genre d'entrevue devrait être préparé avec un journaliste scientifique, parce que voilà, le point central, c'est que il faut que les gens comprennent que le journaliste scientifique, moi on parle souvent de la neutralité du journalisme. Mais moi je suis pas un journaliste politique, je suis pas là pour sonder les valeurs des gens. Je suis pas là pour savoir s'ils sont de gauche, de droite, s'ils veulent être conservateurs, s'ils ont plus envie d'une France comme ceci, d'une France comme cela. Moi, je suis là pour. Moi, j'ai prêté allégeance au réel. Et le journaliste scientifique, il fait pas de concessions. Il est en lutte permanente pour qu'on respecte tous collectivement le réel. C'est-à-dire que ce soit, voilà, je veux dire, là, on l'a bien vu, l'étude du Lancet, plein de gens se sont jetés dessus. Et même moi, au départ, voilà, je vois le Lancet, c'est quand même un gage d'autorité, malheureusement, parce que bah, des fois, on manque de temps. Donc, effectivement, je fais plus confiance à une étude publiée dans le Lancet, qui est censée avoir une équipe de reviewers assez sérieux, qu'à une Dropbox publiée par une équipe brésilienne et partagée par Didier Raoult lors de cette pandémie. Forcément, je fais plus confiance à l'étude du Lancet a priori. Et donc, forcément, j'ai dû, ce sera sûrement, j'ai dû partager l'étude, etc. Et effectivement, le truc, c'est que quand on prête allégeance au réel, on n'a pas la conclusion d'abord dans sa tête. C'est-à-dire que nous, enfin, quand je dis nous, ceux qui défendent la science et qui se reconnaissent dans l'esprit que je défends là actuellement, on prend du recul et on accepte totalement que l'étude du Lancet, elle a des failles et qu'elle est sujette à caution. Là, clairement, il y a eu un. Comment ça s'appelle? Un concern. C'est pas un concern, c'est Il y un. a eu un communiqué pour dire qu'ils allaient faire un Voilà, qu'ils. audit de l'étude et de la base de données C'est surtout. ça, voilà. Donc, il y a eu ça. Et forcément, là, même si l'étude, elle va. J'ai vu des trucs curieux des fois sur Twitter. Oui, il faut faire attention parce que l'étude. Même si elle va dans notre sens, il faut faire attention. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Ça, rien ne va ou non dans mon Oui. sens ou dans notre sens. Il y a des informations, il y a une méthodologie, une épistémologie avec une théorie de la connaissance ou que sais-je, qui permettent avec un logiciel de pensée d'appréhender le réel. Et puis derrière, moi et ceux qui défendent cette démarche, on s'adapte à ce réel. Dire, si j'avais à décider, moi, je dirais la chloroquine, elle marche. Parce que j'ai envie qu'elle marche, j'ai envie qu'on ait un traitement pour soigner les 3% de gens qui se retrouvent en réanimation. Bien sûr qu'on a envie de les soigner. Et du coup, c'est ça, on est en lutte pour que les gens, ou en tout cas que ceux qui interviennent, respectent le réel. Donc il n'y a pas de neutralité à avoir si ce n'est, comment dire, c'est une objectivité, c'est vraiment voilà, un désir d'objectivité et de se dire je ne vais pas être neutre et dire je vais aller prendre l'avis de. Ce scientifique-là, parce que bah, il a un autre avis. Voilà, c'est typiquement le truc, journalisme d'opinion. On va aller prendre l'avis du scientifique qui est contre tous, parce que il a bien le droit d'avoir un avis. C'est la démarche journaliste politique. Sauf que non, c'est pas qu'il a un avis ou pas. Il faut voir ses arguments, il faut voir comment il est perçu dans la communauté scientifique. Il est jugé par ses travaux, etc. Enfin, c'est complexe, quoi. C'est pas un sondage d'opinion la science. Mais ça, il y a du travail encore pour le faire comprendre à la population. Ce discours est intéressant parce que là, vous mettez en lumière deux choses. Le premier, c'est la différence entre le journalisme scientifique, comme vous avez dit, le journalisme politique, où bien sûr, il devrait y avoir une neutralité, même si elle est pas tout à fait réelle, mais enfin, c'est pas très grave finalement, c'est pas très gênant. Par contre, il est une chose, et vous avez parlé de l'ANSES, je trouve que c'est un bon exemple. Est-ce que dans cette crise-là du Covid, le fait que ce soit une pandémie et que ce soit, je vais pas dire l'une des dernières, mais en tout cas la plus récente, parce qu'il y a aussi d'autres virus qui sont des pandémies, mais plus difficilement visibles, comme le VIH, etc. Mais est-ce que le fait que c'est touché le monde brutalement en quelques mois, que les chercheurs n'étaient pas prêts finalement, parce que c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas tout à fait, même s'il ressemble au SARS-CoV-1, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tout à fait, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme les médias, je vais dire, traditionnels, on parlait de CNews, on peut parler de BFM, ce qu'on veut, une envie de buzz aussi finalement pour les revues scientifiques et de reviewer quelque chose de très rapide. Moi, j'ai été étonné. Alors, je disais à mes collègues, quand vous regardez un article, vous avez la date où c'est reçu, la date où c'est publié.
Et comme vous avez dit au début, le reviewing prend plusieurs mois, voire des années. Et là, des fois, on voyait, c'était revu, par exemple, le premier du mois, c'était publié le 4 ou 5 du mois. C'est-à-dire que le reviewing, c'était 3, 4 Ouais. jours, 5 jours, une semaine, enfin. Presque 10, 15, 20 fois plus rapide qu'un reviewing normal. Est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce que pour vous, c'était un besoin de diffuser la connaissance le plus vite possible, ou est-ce que c'était presque une envie de faire le buzz et d'être meilleur que le publisher d'à côté pour avoir plus de. Alors, je précise que Alors, tout a été en open access aussi sur Covid. Tous les publishers ont joué le ouais, jeu, tout était en open access. et m'éviter de faire des suppositions sur les choses que je ne maîtrise pas du tout, mais j'ai quand même plusieurs choses à dire. Il me semble que c'est une hypothèse qui n'est pas idiote quand je me réfère à une vidéo très bien sourcée de Dirty Biology, donc Léo de son prénom, qui montrait les limites du fonctionnement de l'édition scientifique. On ne connaît que trop bien les problèmes de l'édition scientifique et tout l'argent qui est en jeu. Donc, c'est pas idiot que de penser qu'il y a peut-être eu un désir de buzz, de je ne sais quoi. C'est une hypothèse, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est intéressant. Ensuite, sur le deuxième point, sur le fait que les peer reviews aient été vachement Trop rapides, rapide, oui. trop rapides, alors il y a quand même, alors je sais pas du tout comment a fonctionné. Enfin, au niveau administratif, comment ça a fonctionné lors de la pandémie, mais il y a quand même eu une volonté, je pense, même si je le répète, je connais pas les impératifs du peer reviewing et comment ça se passe vraiment dans la réalité, d'allègement, rien qu'au niveau des essais cliniques, d'allègement des trucs administratifs ou d'autres impératifs pour justement quand même aller plus vite, parce que c'est quand même bien l'objectif d'une pandémie, enfin de faire face à une pandémie. C'est quand même d'essayer de s'affranchir de tout ce qui n'est pas forcément nécessaire ou ce qui d'habitude freine un peu les démarches pour produire de la connaissance utile le plus vite possible. C'est l'idée quand même. C'est l'idée, mais il y a beaucoup d'articles qui ont été retirés. Ah oui, tout à fait. Je dis pas Alors, que. on Je parle dis du pas Lancet, que. mais il y en a plein d'autres qui ont été retirés Ah parce que le oui. reviewing a été mal fait, qu'on s'est aperçu que les données n'étaient pas les bonnes, que certaines ont été confondues, que. Clairement, je dis pas Alors, que ça a été. Je dis est-ce pas que qu'au ça lieu a de créer de la été. connaissance, on n'a pas créé plutôt de la confusion et justement du. Alors du coup, j'ai pas une vision d'ensemble sur tout ce qui a été retiré, accepté, etc. Mais je dis pas que ça a été bien fait, hein. Je dis que la logique de vouloir aller un peu plus vite en temps de pandémie ne m'étonne pas. Oui. C'est clair que voilà, on veut produire de la connaissance plus vite. Alors après, est-ce qu'on peut produire de la connaissance plus vite? Ça, c'est une autre question. Du coup, est-ce que c'est possible? Mais déjà, je veux dire, enfin, c'est vrai qu'il y a cette histoire de cohésion quand même qui est importante parce que forcément. Les petites études qui ont créé du buzz ou du débat, voilà, je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai lu avec la chloroquine. On a bien vu que l'engouement sur la chloroquine a freiné le développement de pas mal d'essais cliniques parce que les gens voulaient absolument la chloroquine. Donc du coup, il fallait changer les protocoles, il fallait intégrer un groupe chloroquine ou il fallait faire plein de trucs adaptatifs pour satisfaire en fait l'envie des gens. Alors que en fait. Les gens n'auraient pas dû savoir qu'il y avait un médicament, enfin, j'allais dire qu'il marchait peut-être mieux que les autres. Non, c'est pas vrai, on n'en sait rien, on n'en sait toujours rien. Il y a quand même un faisceau de preuves qui va à l'encontre de son efficacité, et je dirais même un faisceau de preuves préclinique, où on se demande même maintenant est-ce que c'est éthique de continuer des essais randomisés, mais bon, apparemment, il n'y a pas de faille de sécurité dans les essais cliniques actuellement menés par l'OMS. Bref, c'est un sujet complexe, mais. Et je me suis encore perdu dans mes pensées. On parlait de l'avis des jeunes sur ce médicament et le fait qu'on a dû changer des protocoles, notamment d'essais cliniques sur. Voilà, c'est ça, on a dû changer les protocoles, etc. Donc ça, bien sûr, ça a été néfaste pour les essais qui étaient beaucoup plus faits en idée de cohésion pour avoir justement des fortes puissances statistiques, parce qu'il y a des essais, je pense même à l'essai qui est paru dans le Lancet sur le remdesivir qui conclut à une inefficacité, qui avait en fait qui voulait recruter, il me semble, 800 ou 1000 patients et qui arrivait à en recruter que 400. Il y a aussi le fait aussi que les mesures qui ont été prises ont permis de diminuer le nombre de malades et forcément il y a eu moins de gens à recruter et forcément la puissance statistique des essais en a été impactée. Vous savez que c'est le problème d'un certain nombre de projets qui ont été mis en place. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut d'abord écrire le projet, envoyer, avoir les financements, etc. Ça prend 2, 3 mois.
Et quand le SARS-CoV-2 est arrivé, on a commencé à écrire des projets, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait avec moins de matériel parce qu'on n'a plus de patients. Je veux dire, alors il y a des hôpitaux qui ont isolé du plasma, qui ont congelé, etc. Mais on n'aura pas assez de matériel pour l'ensemble des projets qui ont été financés. Et c'est vrai que ça a été un épisode, pour moi en tout cas, enfin je le vois en tant que chercheur, c'est pour ça que je vous posais la question, ça a été un épisode assez étrange parce que tout est allé très vite. On a eu des publications tous les jours à l'appel, enfin au labo on est abonné à un certain nombre de journaux, vous ouvriez la boîte mail de l'institut, vous aviez 30, 40, 50 articles qui étaient tombés dans la nuit, enfin c'était de la folie. Et en même temps, le temps que la science se fasse, c'est-à-dire le temps qu'on écrive des projets qui soient viables, qu'on veuille les mettre en place, etc., c'est déjà fini, on ne peut plus rien faire. Et en fait, ça va nous empêcher aussi de comprendre cette pathologie-là et de comprendre celles qui peuvent nous arriver par la suite parce que c'est allé trop vite et voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Au final, je pense qu'il y a eu beaucoup de pertes à ce niveau-là. Après, c'est qu'un avis personnel, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pertes à ce niveau-là et que s'il y a un SARS-CoV-3 qui nous arrive, on ne sera pas beaucoup plus préparé que pour celui-là, mais. Après, concernant les thérapeutiques, je sais qu'il y a un superbe essai qui est en train de se faire en Grande-Bretagne, l'essai Recovery, et qui lui, alors c'est un peu tr c'est très malheureux de dire ça, en fait, il semblerait que le temps qu'a mis la Grande-Bretagne à confiner ses concitoyens a fait que du coup, le virus s'est plus répandu et il y a eu beaucoup plus de patients, ce qui fait qu'en fait Recovery, à l'inverse de Discovery qui est un peu patiné, un peu beaucoup même, soyons pas, enfin voilà, ouais, il faut pas avoir peur de le dire, Recovery compte, je crois, 10 000 patients dans son essai, c'est-à-dire il y a quatre groupes, il me semble. Alors je me rappelle plus les thérapeutiques, mais il y a quatre groupes de patients, et il y a 10 000 patients, donc ça a quand même une cohorte assez importante, donc. On espère qu'on aura des bons résultats venant de cette cohorte. Oui, on espère des bons résultats. Bien sûr, on est aussi ravis qu'il y ait moins de gens touchés par le virus, même si ça C'est ça, c'est clair. empêche. Alors, je voudrais puisqu'on parlait de l'hydroxychloroquine, etc., qu'on revienne un peu à la phase du professeur Raoult, et je voudrais qu'on le regarde de manière objective sur la communication. C'est-à-dire que c'est un chercheur qui, pour la première fois, a été très ouvert au public. Il a créé une chaîne YouTube. Enfin, elle existait déjà, la chaîne YouTube, mais disons, il a plus développé à ce moment-là. Il a beaucoup été interrogé dans les médias. Il a beaucoup publié sur Twitter. Son compte Twitter, je crois qu'il date du mois de mars ou d'avril. Et la question que je me posais, c'était celle-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans tous les instituts de recherche, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, des communicants, c'est-à-dire des gens qui représentent l'institut? Ça peut être des journées scientifiques, je pense que ça peut être des gens comme ça, parce qu'un chercheur n'a pas le temps. Donc, est-ce que ça pourrait pas être aussi un des devenirs du journaliste scientifique de représenter un institut, de parler à son nom, d'expliquer la recherche qui est faite dans l'institut, d'aller sur les médias et d'expliquer la recherche qui est faite, et puis en expliquant la recherche, on explique aussi la pathologie et tout ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que le professeur Raoult, tout le monde en a entendu parler parce qu'il a beaucoup communiqué, alors que l'Institut Pasteur, par exemple, si je vous demande quel est le communicant de l'Institut Pasteur ou qu'est-ce que vous avez entendu de lui, Alors, ça c'est clair. serait. C'est voilà. Donc est-ce que il manque pas des communicants, est-ce qu'il manque pas des gens qui soient face au public pour chaque institut qui représente la recherche, qui représente les gens qui y travaillent? Alors, j'ai bloqué sur votre question là. Quand vous m'avez envoyé donc toutes les questions, j'ai répondu à pas mal d'entre elles sur un document Word, et celle-là, j'avoue que j'ai complètement bloqué parce que c'est un problème assez complexe, même au niveau, je veux dire, Raoult a bien communiqué dans le sens où il a été visible, mais au niveau de la démarche scientifique, de l'esprit scientifique, etc., il a été lamentable. Il a très mal communiqué parce que ben il a polarisé, il a fait sortir un engouement qui n'avait pas lieu d'être. Enfin, Mais est-ce que c'est sa faute, ça? Est-ce que c'est pas les gens qui ont pris en fait ce qu'il disait, qui ont discuté sur les réseaux sociaux, etc., et qui ont fait alors je vais que être c'est dans devenu la ça? je vais être dans l'avis personnel complet. Je pense que si ça avait duré que sa première vidéo, quand il a dit fin de partie, les Chinois ont publié, etc., machin, la chloroquine, c'est super. Que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro. Un excellent fourrage, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. La moins... Qu'il a d'ailleurs renommé ensuite, hein, elle s'appelle plus fin de partie, elle s'appelle vers une sortie de crise, point d'interrogation.
Et si ça avait été que ça, et que en fait surtout, et qu'il avait tempéré derrière l'engouement, j'aurais dit c'est peut-être la faute des gens, enfin des gens, des médias, des relais, parce que en fait c'est des responsabilités un peu diffuses, hein. C'est aussi, il y a une phrase de Lé, de la chaîne Science for All que je me répète souvent, c'est ne critiquez pas les joueurs, critiquez le jeu. C'est aussi, il y a un jeu, il y a un système qui est là pour exacerber ce genre de passion et de comportement qui est en fait à changer. Mais bon, après c'est la question du jeu, des joueurs, qui doit changer en premier, est-ce qu'ils s'influencent pas mutuellement? Bref, ça c'est des questions compliquées et j'ai pas la réponse, donc je vais pas en parler. Mais comment dire? Vous m'avez demandé si Raoult, excusez-moi, j'ai perdu. Non, voilà, la question c'était sur la communication de chaque Ouais. institut, le lien avec le public en fait de chaque institut de recherche, et j'ai trouvé, enfin après on en discute, mais que le professeur Raoult a su en fait communiquer, il a su jouer des médias, que ce soit des médias internet ou des médias mainstream, etc. Et en fait a réussi à capter aussi l'attention du public sur ses recherches et ses questionnements, etc. Donc, je me demandais est-ce que, et je comparais à l'Institut Pasteur qui, à l'inverse, n'a pas fait ça du tout Oui, et on. c'est ça que vous disiez, c'est-à-dire, je disais que Raoult avait, à mon sens, quand même, est-ce que c'était pas de sa, enfin, c'était la faute des gens. Là, du coup, vu qu'il a persisté quand même dans cette rhétorique de, pour donner une mot, enfin, quand même une image un petit peu populiste de la science, du style, moi, je soigne les gens, moi, j'ai vu les patients, etc. Plein d'arguments fallacieux si on les creuse un petit peu et qu'on voit les postulats qu'il y a derrière. Je veux dire, quand il dit par exemple, voilà, c'est le problème. Moi, j'essaye en tout cas, vu que je suis un mordu de méthode, de remonter toujours au postulat qui amène à une conclusion quel que soit les arguments ou la conclusion d'une personne. J'essaie de remonter au postulat ou au moins de me demander qu'est-ce que cette conclusion implique avant pour savoir si je suis bien d'accord avec la personne. Quand Didier Raoult dit, moi, je soigne les gens. En donnant la chloroquine, du coup, ou en faisant son protocole, il suppose, subrepticement, sans le dire, qu'il vaut mieux donner un traitement que de ne pas en donner. Sauf que ça, c'est clairement un argument fallacieux. Si on fait, postulat, prémisse, conclusion, s'il le présente clairement, les personnes qui savent que des fois, il vaut mieux pas donner de traitement spécifique que donner un traitement spécifique, elles vont plus du tout être d'accord avec lui. Donc c'est de la rhétorique qu'il a fait, et je pense que il y a une responsabilité diffuse dans tout le système, dans le jeu entre guillemets, mais il y a clairement une part de responsabilité qui incombe à Didier Raoult, enfin, il a persisté dans cette démarche pour des objectifs qui sont les siens et que je ne connais pas. Oui, il a clairement une part de responsabilité dans cette communication qui est bonne pour la visibilité, comme vous disiez, mais qui est mauvaise en termes d'image de la science qu'il donne au public. Après, au niveau de la question des communicants. Je vous ai dit, j'ai séché sur cette question parce que est-ce que le journaliste scientifique de, il faudrait trouver peut-être que ça existe déjà et que je suis pas assez bien renseigné, des personnes, et ça existe sûrement, c'est certain que ça existe, des personnes qui étudient la communication, scientifique ou autre, et qui arrivent à trouver le meilleur compromis entre attirer l'attention, mais transmettre, parce que en fait, c'est tout le jeu. Du coup, d'attirer les regards comme l'a fait Didier Raoult, mais en même temps de transmettre une image qui est honnête de la science. Et c'était pas, enfin voilà, Didier Raoult a poussé le curseur vers le côté visibilité. Oui, Et après, il y a peut-être eu de. Non, il y a eu de l'exagération, je suis d'accord, mais ce que je voulais savoir. Voilà, j'ai trouvé que. J'ai trouvé la séquence intéressante, en fait, parce que je me suis dit, c'est vrai que pour la première fois, il y a une communication qui se fait. Et on parle d'institut, la plupart des communications se font soit sur les journées portes ouvertes, c'est-à-dire que de temps en temps on invite le public à venir voir ce qui se passe dans les labos, donc on fait porte ouverte de l'institut. Enfin, c'est partout en France, en Europe, hein. Je n'ai jamais travaillé aux États-Unis ou quoi, mais dans quelques pays d'Europe, c'est partout pareil. Et ensuite, il y a, alors en France, ça s'appelle Fête de la Science, Ouais. ça a différents noms un peu ailleurs, mais en gros, c'est sur une semaine, vous savez, les laboratoires sortent et puis proposent des activités pour montrer un peu ce qu'ils font, etc. Mais ce sont des actions qui sont ponctuelles, c'est-à-dire c'est une communication qui n'est pas permanente. C'est une communication qui est ponctuelle, qui va durer une semaine dans l'année, 10 jours dans l'année, puis après on n'entend plus parler. C'est-à-dire que vous pouvez passer devant un institut sans même savoir ce que font les gens, vous voyez? Et j'avais trouvé voilà que c'était intéressant. Et en parlant de ça, parce que vous avez dit il a poussé le curseur plus loin,
Il y a une question qui m'était venue, c'était est-ce qu'il n'y a pas une vision ancienne de la science en France, en Europe, avec le génie, parce qu'on a souvent cité Pasteur, on a souvent cité, il a aussi été comparé à Galilée, etc. Oui. Du génie qui découvre en fait tout seul, sans équipe derrière, et qui pousse la science en avant, alors que on a parlé tout à l'heure de l'hyper spécialisation de la science, des génies comme ça, il y en a plus, ça n'existe plus, enfin, ils sont tellement rares que. Et est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'en fait, il n'a pas plu par rapport à une vision erronée de la science actuelle? Une vision qui daterait du 18-19e siècle? Alors, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur ces questions et Étienne Klein, du coup, serait beaucoup plus compétent pour répondre que moi à ces questions. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Je crois que j'aurais un peu de mal à l'inviter pour l'instant. Ouais, je crois aussi, mais bon. Du coup. Oui, il y a clairement une vision erronée. Par exemple, Galilée, c'est très intéressant ça de le voir comparé à Galilée parce que ce que les gens oublient, c'est que Galilée, il était pas seul contre tous les scientifiques de son temps, il était seul contre la scolastique, il était seul contre l'Église. C'est pas du tout pareil. Quand on sait ça, on se dit, mais Didier Raoult, là, il n'est pas contre le pape. Il n'est pas en train de dire « ma chloroquine marche, n'écoutez pas le pape qui dit que ça ne marche pas ». Ce n'est pas ça du tout. Il est contre toute la communauté, en tout cas toute, une grande partie, de la communauté scientifique. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans la croyance, qui attendent des arguments pour changer d'avis ou des données robustes. Donc, cette comparaison avec Galilée, déjà, elle est futile. Et pareil… Mais j'ai pris ces comparaisons, parce que ces comparaisons qui ont été faites, mais je voulais insister sur la figure centrale du génie comme il existait au XVIIIe siècle. Et puis… Du coup, peut-être, cette figure du génie, alors toujours pareil, avec toutes mes limites, parce que j'ai pas étudié ces époques et l'histoire des sciences de ces époques-là, mais si je me fie à certaines choses que j'ai entendues, et aussi à des trucs qui me paraissent logiques par rapport à l'esprit et la démarche scientifique, la démarche scientifique de tout temps, alors oui, il y a eu des éclairs de génie au niveau théorique, par exemple Einstein, mais il y a des influences perpétuelles de la société avec l'individu, et il faut pas oublier que la démarche scientifique, c'est une démarche collective. C'est pas un mec. Alors, même s'il y a des avancées, comme je l'ai dit, des éclairs de génie de personnes qui font avancer la science, mais c'est toujours en vase communicant. Il n'y a pas de vase clos. Il n'y a pas un chercheur dans son atelier qui. Alors, peut-être qu'il y en a, mais alors, je n'ai pas les exemples précis. Mais effectivement, une démarche collective, cumulative et corrective, ça, c'est la formule de Florian Gouttière qui parle de science ou de journalisme scientifique, c'est que c'est un collectif qui accumule des données et qui les corrige ensemble. Et donc, du coup, l'idée du génie, effectivement, elle est séduisante, elle est même, on va dire, exploitée. Alors, c'est pas le génie, là, c'est le héros dans certains films, dans les films hollywoodiens, il y a la figure du héros qui sauve tout le monde et qui, en fait, avait... C'est ça aussi, je serais curieux de voir s'il y a de la littérature scientifique à ce sujet, parce que c'est des intuitions que j'ai, mais j'ai pas les données pour les confirmer, l'influence que ces films ou ces représentations, ces archétypes ont sur notre vision de la science. Ce truc du « il a eu une intuition, il s'est pas trompé, c'était le héros du film, il a sauvé tout le monde ». Là, on est un peu dans la même trempe, quoi. On voit un mec qui est expert par rapport à certaines métriques, mais qui a quand même révolutionné son domaine, il faut pas l'oublier, il a des choses. Donc ça, c'est, il faut vraiment pas faire comme ceux qui le soutiennent aveuglément et dire que c'est quelqu'un de pas respectable, etc. Enfin, je veux dire, il a fait des choses géniales, cet homme, dans sa discipline. Donc oui, ces archétypes du héros, effectivement, là, on est pareil, on est dans un truc où on le voit comme un génie qu'on n'écoute pas, qui est incompris et qui va faire avancer la science de manière phénoménale. Sauf qu'effectivement, la science, c'est pas un film hollywoodien. La science, c'est plus compliqué que ça. Et il faudrait quelqu'un beaucoup plus compétent en histoire des sciences pour aller plus profondément. Mais effectivement, les génies révolutionnaires, je pense que s'ils ont existé, ils sont très rares. Oui, ils sont rapides. Je trouve aussi que les avancées qu'il y a eu, par exemple, au XXe siècle, on en connaît quelques-unes, mais il y en a de formidables dont on a même oublié leur existence et dont on a oublié qui les a faites. Tout à fait. Je veux dire, en biologie, par exemple, la découverte des neurones miroirs, c'est quand même un truc qui est énorme, les cellules souches, etc. Et pourtant, si je vais dans la rue et que je dis... C'est clair. Même, ne serait-ce que dans quel pays a été découvert un neurone miroir et les cellules souches, on vient... Ouais, même pour le coup, même moi, hein, je connais les neurones miroirs et les cellules souches, mais alors je serais incapable de dire qui les a inventés.
qui a découvert, qui a été le premier, le pionnier de ce genre de découverte. Alors, personnellement aussi, je sais juste que les neurones miroirs, c'est viennent d'un groupe en Italie. Je D'accord. crois que le directeur s'appelait Fuzzini ou quelque chose comme ça. Les cellules souches, je ne sais plus du tout. Alors là. Mais, vous voyez, même quand on est biologiste, il y a beaucoup de choses que. Oui. Et c'est une question aussi, est-ce que le journaliste scientifique ne doit pas expliquer, en plus d'expliquer la science elle-même, etc., que la science avance par petits bonds et transmettre aussi ces petits bonds au public et dire, mais regardez, ça vous paraît être un petit bond, mais c'est formidable, ce bond-là, c'est quelque chose de. Alors, il y a eu, c'était cette semaine ou la semaine dernière, l'envoi de SpaceX, là, enfin, SpaceX. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of Falcon 9 and Starlink Ocho. SpaceX envoie des fusées et tout le monde a regardé, a dit c'est. Mais avant d'envoyer une fusée, il y a tout un tas d'étapes Tout à et qui fait. sont aussi extraordinaires que l'envoi lui-même. Est-ce que le Exactement. journaliste scientifique ne doit pas focaliser aussi sur ces petits bonds et transmettre cette beauté finalement et cette élégance au public? Alors, clairement, je serai affirmatif sur cette question, que ce soit le journaliste scientifique ou même, mais après, c'est le facteur temps toujours qui manque. Même au niveau des cursus scolaires, au niveau même des cursus supérieurs, moi j'ai été très frustré. Alors j'ai pas poursuivi après la licence, mais parce que du coup ça me convenait pas. Moi j'étais très frustré parce que on me parlait trop peu en fait des expériences fondatrices. Moi je crois que ça se voit pour comprendre ou en tout cas pour m'appréhender une connaissance, j'ai besoin de savoir comment elle a été formée, de quelle hypothèse on est parti, quelle expérience on a fait, quel design on a mis en place et pourquoi, quelle est la logique derrière. Comment on a interprété le phénomène. Enfin, si on me dit juste, voilà, je veux dire, par exemple, il y a des trucs sur lesquels je fonctionne, la cellule ou plein de trucs que j'ai appris en cours, mais clairement, les expériences fondatrices, bah, je les ai pas étudiées en fait. Je me base sur un noyau dur que je remets pas en question parce que sinon ce serait compliqué, mais je me base sur un noyau dur et je n'ai pas remonté aux sources vraiment primaires. Et ça, c'est un truc. Mais voilà, facteur temps toujours que le journaliste scientifique devrait, ce serait pas un luxe qu'il puisse le faire, mais comme d'hab, ça demande du temps et de l'investigation de pouvoir, voilà, remonter à la source primaire d'une affirmation ou d'une expérience ou du lancement d'une fusée pour dire en fait, ça a été permis, enfin, ça a été rendu, alors pour l'innovation technologique, ça a été rendu possible par ça, ça et ça, et pour une affirmation donnée, eh ben, ça en fait, et des fois, dans la littérature scientifique, je sais pas si vous en êtes rendu compte, il y a une vidéo qui a été faite à ce sujet par la chaîne Le Malin Génie, Je ne connais pas. c'est une petite chaîne qui est tenue par trois, alors je me rappelle plus dans quel, je sais qu'il y en a un qui évolue dans le domaine de la chimie organique et deux autres, je sais plus dans quel domaine ils évoluent, mais c'est une chaîne qui parle d'un peu de science, d'histoire des sciences, d'épistémologie et de trucs un petit peu sympas. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment et moi je le vois en fait quand je fais des articles vraiment très très sérieux où je prends le temps, j'ai pas toujours le temps de faire des articles très sérieux malheureusement. Où je remonte vraiment à la source que les papiers scientifiques parfois s'autoréférencent, c'est-à-dire on prend la référence d'un mec qui a dit ça, et quand on remonte vraiment à la source primaire primaire du premier qui a sorti l'affirmation ou l'hypothèse, on se rend compte des fois que ça a été bien bien déformé. Et ça c'est un problème. Et ça c'est un gros problème. Et ça j'ai pas la solution. Vraiment c'est très inquiétant. Et donc la vidéo en question c'est par rapport au problème du fer. Le fer dans les épinards, ils sont remontés à la source primaire et ils se sont rendus compte qu'en fait les mecs reprenaient, en fait il y a l'erreur du fer dans les épinards remonte d'une source erronée, mais même l'explication de l'erreur est sujette à caution. On remonte à la source primaire de l'explication de l'erreur, en fait on ne sait pas trop si elle est vérifiable l'explication de l'erreur. Donc en fait il y a une double peine, il y a eu erreur et l'explication de l'erreur n'est pas forcément la bonne. C'est un gros problème. On propage ce genre de mythe au sein du corpus de connaissances scientifiques qu'on considère comme rigoureux. Cela amène beaucoup de questionnements sur la manière dont on conçoit la pratique et la publication scientifique. Ce qu'on a présenté avec l'effet Hobsorn se retrouve également avec d'autres sujets. Et parfois, cela va plus loin encore, de fausses citations. Certains auteurs vont jusqu'à accoler une citation à une idée développée dans leur papier,
mais quand on se penche sur l'étude citée en question, aucune mention de cette idée ne s'y trouve. Putain, les mecs font de la citation apocryphe académique. C'est chaud quand même. Un autre exemple pour être vraiment conscient d'à quel point cela peut aller loin. Le mythe de Popeye et des épinards super riches en fer. C'est vrai que les publications scientifiques ont référence toujours ce qui était avant, mais on n'a jamais le temps de remonter exactement à la source. Enfin, c'est assez rare, les gens qui le... Alors, le PhD student souvent le fait, parce qu'il est sur le début de son sujet, il a un peu plus de temps, etc., même si les thèses sont courtes, mais une fois qu'on a fini la thèse, on a beaucoup de choses à faire, et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps non plus de... Mais il y a des conférences qui sont données dans les instituts où souvent c'est des... Les colloques durent une heure à peu près, on va vous parler de telles thématiques, et je trouve que c'est souvent là où les gens référencent le tout premier article, etc. Je me souviens, il y a quelque temps, j'ai vu un truc sur un micro-ARN, un type, il partait d'articles qui étaient de 1957, 67 et tout. On se dit, déjà, ça fait 60, 70 ans qu'on connaît ça, alors que moi, j'ai l'impression, je ne suis pas du tout spécialiste du micro-ARN, mais que ça faisait 20 ans que ça existait ou quoi, alors qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres références avant. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi, même pour nous qui connaissons la biologie, mais qui sont pas experts dans tel ou tel domaine, qu'en fait, la connaissance est beaucoup plus... vaste et beaucoup plus ancienne que ce qu'on le croit, et en fait ça rend aussi très belle la chose au final, parce qu'on voit aussi l'évolution de la façon dont on a pu acquérir tel ou tel point avec les techniques, etc., qui ont changé, et puis comme on a dit, ce point là est faux parce que telle technique, maintenant à l'époque on croyait qu'on voyait ça, puis en fait on se rend perso que c'est pas ça, etc. Donc ça aussi, oui, c'est important aussi de comprendre de faire comprendre au public qu'une méthode peut changer la vision que l'on a d'un tel sujet et finalement le sujet complet aussi, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, on a parlé donc du journal scientifique, on a parlé de la communication, et on a parlé un petit peu de la séquence Covid. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'open access. Mm-hmm. Est-ce que... Et je parlais, alors, bon... À l'époque où l'information est sortie, il n'y avait pas eu cette publication-là, mais The Lancet a lancé deux petits, je ne sais pas si on peut dire deux petits, parce que ils viennent à peine d'exister, mais en attendant deux journaux qui soient en open access, le Lancet, alors je lis parce que je ne vais pas me rappeler sinon, Lancet Regional Health et le Lancet Microbe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'ouvrir l'article scientifique primaire, on va dire, c'est-à-dire tel qu'il est écrit par les chercheurs, à l'ensemble du peuple, enfin à tout le monde, en fait, par l'open science? Alors, donc là, on parle bien d'open access, pas dans des revues prédatrices ou alors dans des revues où les scientifiques sont obligés de payer. On parle bien d'open science, là, c'est ça oui, oui, on parle. Oui, okay. Oui. Alors, déjà, enfin, en fait, je prévois de faire... du coup, en fait, c'est des questions que je me pose et qui sont en ébullition, et en fait, je pourrais pas répondre sur tout, mais je prévois de faire un live bientôt sur Futura sur ce sujet, sur l'open science. D'accord. Parce que oui... on m'a parlé de projets, par exemple, des open science avec des pseudonymats, donc des anonymats, de surface, donc avec un numéro d'identification, mais qui permettrait aussi d'identifier la personne si jamais elle commet des abus sur une plateforme donnée. D'accord, d'accord. Donc oui, l'open science, donc avec ce pseudonymat qui permet d'éviter les abus, parce que sur PubPeer, par exemple, souvent c'est ce qu'on constate, il y a des critiques parfois assez incisive et parfois pas justifiée, de très bonnes critiques, hein, mais des fois des critiques pas justifiées. Posséder des critiques transdisciplinaires, comme on disait tout à l'heure, améliorer la transparence, du coup, de tous les arguments qui vont s'empiler, et même des gens qui sont curieux de la méthode et qui savent pondre une critique parce qu'ils ont appris la méthode, mais qui sont pas dans le domaine universitaire, parce que ça existe, il y en a sûrement beaucoup. Mmh. Donc améliorer le suivi des critiques. Et effectivement, en fait, ce qui est séduisant, c'est que tout ça, c'est un bon compromis pour faire face aux problèmes de temps, d'argent ou d'autres biais que peut constituer la démarche de peer review actuelle. Donc, c'est toujours un avis de néophyte là, que je donne sur le sujet, mais une open science, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Le truc, c'est une bonne chose. Maintenant, comment on le met en place? Parce qu'on voit bien que là, avec, les préprints, il y a des abus, il y a des partages massifs, par exemple, je pense à... je vais parler de ce que je connais de l'étude du professeur Perronnet que j'ai traité, que j'ai vu le préprint,
Et je me suis dit, c'est pas possible. Qui a été supprimée, étude qui a été supprimée. Qui a été supprimée. Moi, j'ai vu le partage de Didier Raoult qui a dit un très bon travail du docteur Perronnet. Puis j'ai contacté les auteurs et deux auteurs qui étaient dans l'étude m'ont dit, pour toutes les questions que vous avez posées là, nous, on avait demandé d'être retirés de l'étude. Donc, même avant qu'il soit supprimé, il y avait des auteurs D'accord. qui étaient présents, qui étaient cités et qui avaient explicitement demandé, nous, on veut pas être sur ce papier parce qu'il est... Parce qu'il est médiocre, quoi. Il faut le dire avec les mots justes. Il était médiocre. Et donc oui, on se sert d'éléments de communication. Didier Raoult, son tweet. Moi j'ai fait ce papier-là en fait. Je le dis dans mon article parce que il peut constituer une manipulation de l'opinion de gens qui ne savent pas lire les articles scientifiques. Du coup, il a été, je crois, retweeté plus de 3000 fois et liké plus de 7000 fois. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc c'est vrai que les préprints font partie de l'open science. Je précise au fait une chose, quand un papier part en reviewing, c'est-à-dire quand on le met dans un publisher comme The Lancet, New England Journal of Medicine, ce qu'on veut, tous les auteurs doivent signer une autorisation. C'est-à-dire vous recevez un mail D'accord. électronique où vous avez... Je pensais que vous le saviez, mais j'explique alors pour tout le monde. Quand vous publiez, donc... Vous êtes le numéro de nom qu'on vous a attribué. C'est-à-dire, si c'est vous qui avez fait l'étude, vous êtes premier nom. Et si vous l'avez financé, vous êtes dernier. Après, autour, c'est selon le degré où vous avez collaboré ou pas à l'étude. Quand l'étude est envoyée chez un publisher, quel qu'il soit, vous recevez un mail. On vous dit, voilà, telle étude. Donc, il y a le titre et vous avez un très bref abstract qui n'est pas l'abstract forcément que vous avez envoyé. C'est soit une partie ou quoi. Mais si vous connaissez l'étude, en général, vous savez que c'est le vôtre. Est-ce que vous êtes bien auteur sur ce papier, etc. Si vous n'êtes pas auteur, on met I declined, nanana. Si vous êtes auteur, vous cliquez sur un lien, vous avez tout un tas de questions, quel est votre nom, prénom, âge, etc. Depuis combien de temps vous avez participé à l'étude, après vous pouvez avoir des questions plus précises, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Donc en fait, on ne peut pas publier sans votre accord. D'accord. Donc, alors le préprint c'est différent parce que c'est une visualisation avant d'envoyer au papier, mais on ne peut pas publier sans votre accord. Et donc, l'open science, le préprint, bien sûr, en fait partie. Vous avez parlé tout à l'heure des publishers. Les publishers s'y mettent de plus en plus, en fait, c'est-à-dire ils ouvrent leurs articles directement aussi au public. Là, j'avais parlé de Lancet, ils ouvrent directement au public. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas toutes les revues, c'est beaucoup de revues européennes, moins américaines, parce qu'il y a aussi un jeu un peu oui. stratégique là-dessus. Mais voilà, je voulais avoir votre avis sur l'ouverture au public et je trouve que c'est intéressant aussi que ça se fasse parce que ça permet une diffusion plus large de la connaissance et plus facile. Et... Ah oui, clairement, je souscris complètement à l'open science, bien faite. C'est-à-dire que oui, il faut sonder ses limites, sonder les problématiques qu'on peut avoir, notamment, du coup, j'en parlais avec les plateformes comme les préprints qui sont reprises pour faire de la communication, ou les plateformes comme PubPeer qui peuvent servir à cause de l'anonymat abusif, de critiques incisives et non justifiées. Oui, il faut peut-être sûrement repenser l'open science, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter quand je ferai mon live à ce sujet avec d'autres chercheurs, ou des gens qui... je voulais aussi discuter des contraintes économiques ou politiques qui peuvent être mises en place par l'open science, enfin, qui peuvent être... qui peuvent donner du fil à retordre à l'open science, du coup, forcément, parce qu'il y a des contraintes fortes de ce côté-là. Mais sur le principe, je souscris totalement à l'idée de dire c'est dans l'optique. Je vous dirai un truc après tout à l'heure sur les contraintes fortes, mais allez-y. D'accord. Oui, voilà, c'est dans l'optique des Lumières que j'ai trop peu lu encore, les philosophes des Lumières, de diffuser la connaissance et une certaine méthode de réflexion à l'ensemble de la population élevée. Je veux dire, pour qu'une société fonctionne toujours mieux, il faut élever le niveau de connaissance et de prise de recul ou de tout un tas de sujets de l'individu moyen. C'est comme ça qu'une société peut progresser. Mmh. Enfin, il me semble. J'ai une question à vous poser. Je vais revenir sur l'open science, mais il y a quelque chose que vous avez dit qui était très intéressant. C'est vous avez parlé des retweets, etc., des préprints, et la façon dont les gens n'arrivent pas à lire une étude scientifique et finalement ne comprennent pas forcément ça. Je trouve que c'est un point qui est fondamental. Et ma question, c'est qui doit enseigner aux gens à lire une étude scientifique? Est-ce que c'est eux qui doivent le faire ou est-ce que les journalistes scientifiques peuvent aussi avoir un rôle sur cette connaissance-là? Alors là, c'est une question presque politique que vous me posez, c'est-à-dire qui doit enseigner aux gens l'enseignement de la lecture. Je sais pas si tout le monde fait. Alors actuellement, comme je le vois, mais dans ma conception politique ou d'autres ou du modèle de société
que j'aimerais voir advenir. Je suis encore très très flou, je me construis clairement une identité politique et sociale, j'ai du mal à avoir un avis tranché sur ce sujet, mais il me semble en tout cas, de par nos limitations humaines claires, que l'objectif vers lequel on doit tendre, c'est d'essayer de construire, je ne sais pas comment et je ne sais pas avec qui ou par quel modèle social, des cercles de confiance. Tout le monde ne peut pas apprendre, n'a pas le temps en fait, n'a pas le temps ou n'a pas l'envie ou n'a pas les capacités requises pour, enfin les capacités requises, si je dis des bêtises. Intellectuellement, quand même, on peut y arriver, mais. Voilà, mais je veux dire. Tout le monde n'a pas le temps ou l'envie d'apprendre à lire un article scientifique. Et ça peut se comprendre totalement. Moi, il y a des trucs qui me... en science, tout m'intéresse globalement, mais des fois, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas forcément. J'ai une hiérarchie de priorité de sujets que j'aime, forcément. Et forcément, la création de cercles de confiance, de personnes... Alors, c'est imparfait parce que du coup, il faut s'en remettre à une personne. Alors, il faut quand même, je pense, et c'est toujours très subjectif et très peu réfléchi, mais... des outils comme un peu le bac, un outil minimal d'esprit critique qu'on enseignerait à l'éducation nationale, c'est-à-dire pour se prémunir contre ce genre de manipulation, par exemple. Des trucs minimaux, j'en parlais dans mon live sur la science à l'ère du sensationnel sur Futura, des sortes de signaux qui, dans une heuristique donnée, font que, ah tiens, c'est louche, par exemple... voilà, quand on voit que Didier Raoult est seul contre tous, qu'il emploie des formules vachement populistes telles que le consensus c'est Pétain et moi je suis pas consensuel, bon, c'est des trucs où il faut un peu s'alarmer, quoi. Des outils critiques, un sorte de seuil d'outils critiques à acquérir pour pouvoir voguer dans ces cercles de confiance, mais bien sûr. On sera toujours un petit peu dépendant de l'autre, ça c'est inévitable sur tout un tas de sujets, et sur la lecture d'articles scientifiques, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je ne sais pas si c'est si malheureux que ça, mais oui, je pense que l'idée de cercle de confiance est primordiale, parce qu'on voit un truc aussi, il faudrait des données, je parle vraiment avec de l'intuition et des trucs que je remarque personnellement, la défiance envers les autorités, la perte de confiance envers le politique ou envers les gouvernements, ou avec même les autorités sanitaires ou autres, fait que du coup, ben, le lien de confiance qui nous unissait est brisé. Et donc, il faut reconstruire, peut-être pas avec un gouvernement, je ne sais pas comment il faut le reconstruire, mais c'est primordial de reconstruire des cercles de confiance. Ça, c'est clair. Mais quand je parlais de ça, je pensais par exemple à quelque chose. Imaginons, vous écrivez un article sur tel article et vous le comparez à un autre. Mm-hmm. Une chose qui est très importante dans un papier scientifique, c'est la significativité des résultats. Par exemple, et on a Oui, oui. Non, mais je suis d'accord, mais quand on parle de significativité, je suis totalement néophyte au niveau des statistiques, mais je pense toujours à l'opposition entre les fréquentistes et les bayésiens. Et du coup, en fait, un bayésien, là, il aurait tiqué. C'est pour ça que je me dis, tiens, s'il y avait eu un bayésien, il aurait tiqué sur le terme significatif. D'accord. Non, je connais pas la différence entre les deux, mais... C'est des débats en fait entre statisticiens qui remettent en question la p-value justement et enfin bref c'est je suis pas du tout compétent pour en parler. Je sais non, juste qu'il y a une controverse. Il y a une controverse où il y a eu un article de Nature, c'était ouais, dans Nature ouais. Ouais. C'était en 2018 il me semble. Ouais, c'est ça. Qui a été signé une tribune qui avait été signée par 800 ouais. Chercheurs. Oui, mais voilà, alors oui, mais on va rester. Extrayons-nous ce problème-là parce qu'on n'a pas les compétences pour en parler. Non, bien sûr, mais juste pour parler, pour être basique, et vous allez voir aussi là où je veux en venir. Il y a eu dans cette séquence Covid tout un tas d'essais cliniques. On nous a dit, l'un, il y en a eu, comme vous avez dit, par exemple en Angleterre, 10 000. L'autre, il a analysé 100 patients, l'autre 200, etc. Et puis, il y en a tant qui avaient hydroxychloroquine, tant qui avaient ceci, cela. Est-ce que déjà, la première approche serait pas de dire. On va regarder le nombre de patients qu'il y a, le nombre de gens qui ont reçu ceci, cela. Ça va déjà nous donner une idée de la pertinence déjà de l'étude. Vous voyez, juste ce genre de détails-là où peut-être comparer deux études et dire, tiens, là, il y a tant de patients, tant de pourcentage de trucs. Ça donne déjà une idée un peu sur l'évaluation qu'on peut faire de tel ou tel article. Oui, vous voulez dire dans des domaines précis, à savoir repérer si tel truc n'y est pas, par exemple la randomisation, on se dit bon bah du coup il y a une petite cloche quoi. Voilà. Oui, non, ce serait clair qu'il faudrait peut-être alerter sur
des gros signaux. Par exemple, voilà, quand on voit que Didier Raoult scande l'efficacité d'entraînement avec un non-randomized clinical trial, forcément, on, déjà, rien que sans avoir l'habitude, on se dit, bon, c'est pas randomisé. Du coup, randomisé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est répartir les gens de façon aléatoire dans des groupes de traitement pour éviter justement, en fait, pour avoir une répartition un petit peu hasardeuse, pour éviter les facteurs qu'on appelle les facteurs de confusion. Ça peut être tout et n'importe quoi. On en connaît quelques-uns et des fois, on les corrige dans les études observationnelles, mais il y avait sûrement des facteurs de confusion qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, c'est à ça que sert principalement la randomisation. S'extraire, c'est toujours dans un but réductionniste, hein, de réduire la réalité complexe. Et donc, du coup, de bien sûr, ce genre d'indicateur, ça pourrait être enseigné, ça pourrait faire partie de ce que j'appellerais le seuil minimal d'outils donc, critiques. Mais le problème, c'est par exemple. Par exemple, mais le problème, c'est des trucs variables selon les disciplines. Là, on parle de randomisation pour la science médicale, les essais cliniques. Oui. Mais par exemple, pour d'autres disciplines, alors que, enfin voilà, moi je suis vraiment, enfin, spécialisé. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au niveau, surtout aux sciences médicales, aux essais cliniques, et j'ai moins de recul, par exemple, sur des études, que ce soit en astrophysique ou même en biologie moléculaire ou en que sais-je encore le domaine. Sur les, par exemple, des fois je peux me faire avoir, et c'est pour ça que des fois j'essaie d'avoir de la vie de chercheur sur des modèles de souris, par exemple, qu'on va utiliser, savoir s'il est bien compatible, mais bien, par exemple, je pense aux études de Séralini. Moi, j'aurais pu peut-être qu'à l'époque, alors j'étais pas encore outillé comme je le suis maintenant, mais peut-être qu'à l'époque, je me serais laissé avoir par l'article de Séralini parce que j'aurais pas eu la pertinence de voir que les groupes étaient trop faibles, de voir que le modèle de souris utilisé était biaisé. Enfin, ça, c'est des trucs aussi techniques selon les disciplines, et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je tiquais, j'essayais de dire la science, les sciences. Mais ça, c'est plus des débats sémantiques et bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est ça qui est compliqué. C'est que du coup, il n'y a pas qu'un seul outil où il y a vraiment une diversité d'outils à posséder et je pense pas que, alors, on peut essayer de toujours pareil tirer vers le haut, niveler vers le haut et augmenter notre compréhension et notre acquisition d'outils, mais ça passera, in fine, ça passera quand même par les cercles de confiance. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire et qu'il faut pas améliorer la compréhension des gens au niveau de la méthode scientifique et tout le reste, mais ça veut dire que il y aura une impasse, il faudra en passer par les cercles de confiance, je pense, quoi qu'il arrive. C'est une réponse qui est pas mal, enfin je laisserai les gens aussi commenter parce que je pense qu'il y aura peut-être du débat là-dessus, mais je voulais on parlait de l'open science et de l'open access On a parlé aussi des tarifs de publication, etc. Alors, juste pour que les gens comprennent la façon dont ça fonctionne, quand vous voulez avoir accès à une publication de publisher, en général, les universités payent des abonnements aux publishers. Alors, à l'époque, c'était sur format papier essentiellement, puis depuis l'avènement d'Internet, notamment au début des années 2000, c'est essentiellement électronique. Même si on reçoit toujours les versions papier, j'en avais d'ailleurs montré dans certaines vidéos, des Nature et tout en papier, on reçoit toujours des versions papier. Donc les abonnements sont très chers, mais vous avez accès à l'ensemble de la revue quand vous voulez. Si jamais il vous manque un article, vous pouvez le payer. Un article, c'est en moyenne $32, donc vous donnez $32 et puis vous avez accès à l'article. Le publisher, lui, en fait, il a ses employés à payer, le site à payer, etc. Le scientifique, donc, paye par abonnement, mais si vous payez par abonnement, vous avez un certain nombre de revues, vous devez payer pour être publié. Alors payer pour être publié, ça ne veut pas dire que comment expliquer ça? C'est pas où vous donnez un dessous de table en disant je veux surtout être publié et puis le reviewing est moins bien fait, etc. En fait, c'est pour des raisons techniques souvent que certains reviewers demandent la publication. Par exemple, c'est pour imprimer en couleur. Si vous avez de l'immunohisto ou c'est en couleur et que vous voulez que ce soit bien net, etc., avec la taille des images, tout ça, pour imprimer sur les revues, c'est quand même plus cher, puis ça prend plus de place, tout ça. Donc, c'est pour payer ce genre de service-là, en fait. D'accord. L'open access, le scientifique paye la publication parce que, bien évidemment, il n'y a pas d'abonnement, donc il n'y a pas de sous qui rentrent chez le publisher. Mmh. Et encore une fois, le publisher, il a des employés à payer, il a le site internet à payer, il a les structures, etc. Donc, il faut que tôt ou tard. La question, en fait, qui se pose sur l'open access, c'est est-ce que plus rentable, parce que le but, c'est que ce soit le plus rentable pour un labo de recherche, est-ce qu'il est plus rentable d'avoir des abonnements qui sont très chers? On parle quand même de plusieurs milliers de dollars par an pour chaque revue. Donc, quand vous êtes en biologie, ça, on compte plusieurs millions par université.
ou est-ce qu'il vaut mieux payer quand on publie, en fait, sachant qu'un labo publie 4 ou 5 papiers par an, en moyenne, c'est-à-dire un papier tous les 3-4 mois, puisqu'il y a toujours il y a des sous-groupes, en fait, dans les labos, vous voyez, il y a plusieurs thématiques de recherche. Donc, est-ce qu'il vaut mieux payer pour publier ces 4-5 papiers par an, ou est-ce qu'il vaut mieux payer pour des abonnements? Donc, ça, c'est des questions qui se font. Et après, bien sûr, il y a des pressions financières. Enfin, les Américains qui possèdent la moitié des gros journaux préfèrent les abonnements, etc. Les Européens préfèrent l'open access. Mais je vois, et c'est pour ça que je parlais de l'Ancest aussi, que les Américains quand même commencent à se mettre à l'open access parce que ça engendre aussi plus de vues. Il y a deux choses à voir sur l'open access. La première, c'est que l'impact des articles se fait sur le nombre de téléchargements et de citations. Et j'ai fait une vidéo, je précise que j'ai fait une vidéo sur l'open access où je raconte plusieurs histoires de scientifiques qui se sont battus pour ça, et puis après j'explique un petit peu ce que c'est, mais je mettrai un lien, mais je viens juste vite fait là. La vie du papier et la vie du chercheur se fait sur le nombre de publications et le nombre de citations surtout. Vous avez des métriques qui sont données, métriques d'articles ou le H-index chez le chercheur. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en open access, on est plus cité. Parce que des pays pauvres ont plus accès, en fait, à ça. C'est-à-dire que les universités occidentales pourront payer des abonnements, mais quand vous partez dans des pays où la science commence à bien se développer, je pense au Brésil, je pense à l'Iran, je pense à l'Inde, etc., il y a quand même moins de sous pour publier des abonnements, et donc en fait ils vont beaucoup se baser sur de l'open access et essayer d'avoir et il y a tout un jeu de blogs, en fait, et il y a tout un jeu de blogs dans ces pays-là pour échapper, en fait, à ce qu'on appelle les pay fees, où les gens vont ou le paywall, ça dépend où les gens vont se trouver. Et la Commission européenne, en fait, insiste sur l'open access, et aujourd'hui donc c'est dans le Horizon 2020, à partir de 2020, donc à partir de l'année prochaine, en fait, pour arriver à avoir certaines bourses, alors pas toutes les bourses européennes, mais certaines bourses, vous devez au moins avoir publié une fois dans un open access. D'accord. C'est-à-dire que l'Europe pousse la jeune génération, en fait, bon, la mienne, moi j'ai la trentaine, enfin au milieu de la trentaine, pousse la jeune génération à publier dans un open access. Les open access, les impact factors des journaux sont un peu plus faibles que Nature, Science ou quoi, parce que c'est souvent des journaux qui sont jeunes. Les premiers open access, ils ont une quinzaine d'années, donc il faut quand même du temps pour que le journal se fasse connaître. Je rappelle que New England Journal of Medicine, il date de la fin du 19e siècle, donc vous comparez 150 ans d'histoire avec une vingtaine, une quinzaine d'années. Donc, voilà. Mais en fait, on pousse la jeune génération à publier dans les open access pour favoriser, alors ça, je parle de la politique européenne, pour favoriser en fait l'open access. Donc on va arriver vers de plus en plus d'articles qui seront gratuits pour tout le monde. Et voilà, en fait, c'était juste une parenthèse. Je voulais pas couper trop le débat, mais j'ouvrais cette parenthèse-là parce qu'il faut avoir conscience aussi de l'évolution qu'il y a sur les publishers. Ah, clairement, ouais. Il y a une pression qui se fait et souvent elle est... Et justement, mais ça, vous en avez déjà parlé. J'avais une question sur le mode de publication actuel en science, comment vous le changerez, mais vous avez dit que vous aviez écrit un article sur le reviewing et on en a parlé un peu au début. Oui. En fait, je relis un peu les thèmes que je voulais aborder. Je crois qu'on arrive quand même pas mal à la fin. Oui. Et donc, j'avais deux questions pour terminer, qui sont peut-être la dernière et sans doute un peu personnelle pour vous. Mais la première question, on va parler de médiation scientifique. On a abordé un petit peu le mot tout à l'heure. Je dois vous faire l'aveu que je ne sais pas exactement ce que c'est. Eh bien, je dois vous faire l'aveu qu'en fait, moi non plus, c'est-à-dire que j'ai bugué sur votre question parce que, effectivement, je sais qu'il existe une différence entre la médiation scientifique et le journalisme scientifique, mais j'ai jamais creusé vraiment la différence. Si j'avais une réponse intuitive à donner entre la différence entre la médiation scientifique et le journalisme scientifique, mais en fait, j'ai même pas envie de la donner parce que ça se baserait sur une intuition et ça pourrait induire en erreur des gens. Donc malheureusement, je pense que là, sur ce coup, j'ai pas assez de recul ni d'expérience pour pouvoir répondre. D'accord, mais voilà, c'était une question, mais on cherchera. Je crois que Tania Louis, elle fait de la médiation scientifique aussi. Oui, je vois passer sur Twitter, il faudrait creuser ces concepts pour savoir ce qu'ils veulent dire, ouais. Au départ, je pensais que c'était peut-être ceux qui aidaient à organiser ou c'est des trucs comme fait la science, etc., pour avoir justement ce lien au public, mais c'est quelque chose à voir. En regardant un peu sur vous sur Twitter, enfin, je vous suis pas mal sur Twitter. Sur Twitter, j'ai vu
que vous étiez féru de philosophie. J'ai eu à un moment donné que vous aviez même passé des photos de livres que vous aviez lus, d'autres pas lus, etc. Ouais. Quels sont les philosophes que vous recommanderiez à des gens qui sont curieux, par exemple sur la science, s'il y a des choses à lire et qui sont intéressantes? Alors, sur la science, alors si on parle de la démarche scientifique, on pourra, je pense que c'est un incontournable conseiller Descartes, clairement, même s'il a dit beaucoup de bêtises. Mais je pense qu'il n'y a pas que sur l'esprit scientifique aussi, pas que la science, parce qu'il y a de la philosophie des sciences, comme je disais au début, on peut conseiller de lire de l'épistémologie, de lire le livre de Alain Chalmers ou Chalmer, vraiment, je ne sais plus du tout si c'est le M ou le L qui est avant, mais bref, passons. Il y a celui-là qui est une super porte d'entrée. Il y a après d'autres livres et d'autres auteurs classiques que je n'ai pas lus, pas tous en tout cas. Alors si, j'ai lu Bachelard par exemple, donc Bachelard c'est quand même, je peux le conseiller. Et après il y a des auteurs classiques que moi je n'ai pas lus, que j'ai plus appréhendé par rapport à des, comment dire, à des vidéos, notamment la chaîne de, si les gens ne la connaissent pas, je recommande la chaîne de Monsieur Phi pour parler de philosophie et même de science. C'est une superbe chaîne YouTube. Donc du coup j'ai ou bien des podcasts, donc il y a aussi pour ce qui est philosophie des sciences, même pas forcément pour le reste, Popper, Kuhn, comment il s'appelle, Popper, Kuhn, Lakatos, enfin il y a pas mal de philosophes des sciences comme ça qui doivent être très sympas à lire. J'ai pas eu l'occasion de les lire malheureusement, mais plus sur la démarche ou même sur le doute ou l'esprit scientifique. Il y a des philosophes que je conseillerais, moi en tout cas, qui m'ont beaucoup apporté. C'est Spinoza, premièrement. Vraiment, gros coup de cœur pour Spinoza, mais paradoxalement pour Nietzsche aussi. J'aime beaucoup la philosophie de Nietzsche. Alors, ça dépend des ouvrages, ça dépend des arguments des fois qu'il utilise, mais quand même, je trouve que c'est un bon exercice que de lire Nietzsche. Spinoza, Nietzsche, j'ai parlé de Descartes, ça c'est clair et net, Descartes c'est quand même un incontournable. J'essaie de scruter un peu mes livres en fait pendant que je vous parle là. Qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? Les dialogues de Platon, mais après ça c'est pas vraiment de la science, c'est plus pour repérer plus facilement les sophismes, même si bon, Platon c'est pas épargné pour utiliser parfois des sophismes lui aussi. Un philosophe contemporain que je conseillerais, c'est pas du tout pour la démarche scientifique, mais c'est plutôt une philosophie un petit peu ontologique, c'est-à-dire un rapport à l'être, à soi et aux autres, pour l'appréhension du réel et l'allégeance au réel en fait qu'on prête quand on est journaliste scientifique. C'est Yann Carninon. C'est un philosophe qui tient, c'est pas un philosophe universitaire, mais il tient une chaîne YouTube qui s'appelle, enfin il fait des séries vidéo qui s'appelle La philosophie, ça sert à rien et c'est ça qui est bien, où il vulgarise plein de concepts vachement sympas. Et ses ouvrages en fait, alors il faudra pas chercher une rigueur scientifique dans ses ouvrages, c'est pas du tout l'objectif, mais il y a quelque chose de vraiment important dans l'acceptation au réel dans ses ouvrages. Il parle Alors, il parle de la société, d'amour, de rapport à l'autre, de plein de trucs qui sont pas forcément rigoureux et scientifiques, mais la démarche d'acceptation réelle qu'il propose, je trouve, est vraiment stimulante. Et après, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais c'est déjà Spinoza, Descartes, Bachelard, peut-être, je les ai pas lus non plus, je les ai appréhendés par des podcasts, mais j'ai les livres là, j'ai les livres qu'il faut que je lise. Vous avez vu sur le post Twitter, il y a beaucoup de livres que j'ai pas lus. Husserl aussi, voilà. Il y en aurait trop à citer, donc. Si les gens lisent tout ce que vous avez cité, ça prendra pas mal de temps. C'est déjà ouais, pas ouais, mal. C'est clair, c'est clair. Une dernière question. Est-ce que vous conseilleriez à des jeunes, par exemple, qui nous écoutent sur la chaîne, de faire journaliste scientifique? Est-ce que c'est un métier passionnant? Est-ce que c'est un métier Si on est curieux, qu'on aime comprendre les sujets scientifiques, mais aussi comprendre, si on est dans une... Ça dépend vraiment, mais oui, c'est un métier passionnant. Après, on n'a pas toujours l'occasion, notamment
au début de l'activité, de pouvoir le faire comme on le souhaite. Moi, par exemple, des fois, je manque de temps, comme je disais, ou enfin, dans le journalisme, ce serait un autre sujet, mais il y a des impératifs qui fait qu'on n'a pas toujours le temps de bien traiter des sujets. Et donc, non, mais oui, sinon, c'est un sujet passionnant. Et si on est curieux et qu'on aime comprendre que ce soit les sciences ou que ce soit les gens aussi, parce qu'on transmet à des gens, donc comprendre comment ils acquérissent l'information et comment leur transmettre de la meilleure manière. Enfin, vraiment, si on aime comprendre et si on aime s'adapter à tout ça, ouais, c'est un super boulot. Après, c'est un boulot frustrant. Franchement, c'est un boulot frustrant. Quand on n'a pas l'occasion de bien prendre son temps et de bien faire son boulot, c'est un boulot qui peut être frustrant parfois. Clairement, il faut donner tous les aspects du métier. Moi, je suis très, très frustré parfois par mon métier. Il y a beaucoup de métiers qui sont frustrants. Oui, oui. Mais bon, j'adore mon métier quand même, du coup. Hein, je suis vraiment... Enfin, je ne le changerai pas, quoi. Je ne changerai pas mon métier. En tout cas, merci pour cette interview. Donc, merci, je rappelle qu'on peut voir vos articles sur Futura Science. Tout à fait. Et les lives sont aussi sur, parce que vous avez beaucoup parlé de lives, sur Futura Science. Ouais, la page Facebook de Futura, ouais. La page Facebook, dont je la mettrai un lien quand la vidéo sortira. Je vous dis à bientôt. L'interview, débat, discussion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez commenter la vidéo. On répondra à vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, c'est aussi le moyen d'échanger. Je trouve ça intéressant. J'espère que le journalisme scientifique vous a intéressé. Et maintenant, je vais essayer de trouver quelqu'un aussi pour parler de médiation scientifique, puisque nous en avons parlé dans la vidéo. Et il est difficile de répondre à des questions lorsqu'on n'a pas la réponse, et nous cherchons aussi à savoir exactement ce que c'est. Donc si vous avez des idées de gens qui pourraient être intéressés pour en discuter, je suis ouvert, donc allez-y. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, et n'oubliez pas de laisser un commentaire, comme je dis, pour la discussion. Et si vous voulez discuter plus avant avec moi, vous avez le Twitter de la chaîne, où c'est le réseau social où je suis un peu plus présent pour tout ce qui est discussion, et tout ce qui est commentaires, questions, etc. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.